Voilà, la vue Minecraft, c'est celle-là. Enfin, j'attends que le jeu veuille bien se mettre au premier plan. Je ne perds pas espoir. Et je vais vous expliquer la nouveauté dont je suis pas peu fier, que j'ai pu mettre en place hier soir. Oh, il me dit que mon encodage est en surcharge. Mensonge! Ça recommence, il faut que je leur dise que OBS doit avoir la haute priorité. Attendez, je vais faire ça. Oh, il me dit qu'il y a une mise à jour ou Windows. Oh, bah, il me manquait plus que ça. Je suis coincé par le jeu qui se charge. Et du coup, j'ai pas pu faire ma saisie. Attendez, on y arrive. 30 secondes, je vais vous mettre le jeu. Alors, détail, OBS, je vais lui dire en priorité haute et il va arrêter de me les briser. Voilà. Je vais me faire un petit contrôle qualité en pointant Ah, voilà. Je me disais, mais pourquoi vous n'avez pas le signal? Je comprenais plus. Voilà, c'est cool. Alors, contrôle qualité. Je vais regarder si ça rend bien sur. Ouh, le lag. Ouah, je peux me mouvoir, c'est possible. Alors, j'en montre pas trop. Faut pas trop vous dévoiler ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai l'impression ce que je vous envoie, c'est un peu. Ah, j'ai fait un petit cœur pour la Saint-Valentin. Pour ceux qui n'avaient pas vu, je me suis amusé à faire un monument. Le cœur de l'amour toujours. Ça a l'air pas fluide, mon truc. Ça saccade. Je vérifie à deux fois. C'est pas le réglage optimal, attendez. Je vois qu'il y a une entourloupe, qu'il y a un truc qui cloche. Si je dis supérieur à la normale, ce sera peut-être mieux. On l'espère. Ça, de toute façon, j'y toucherai pas. Tac, tac, tac. Comme ça. Reprendre la partie. Ça m'a l'air d'être mieux. Je pense que j'ai trouvé le bon équilibre. Je vais m'offrir une dernière manip qui est de balancer le winamp à côté parce que a fini par me tuer le truc là. Voilà. Bonjour Aeroster, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là, de passer faire un coucou. Je suis en train de faire mes réglages là, je viens de changer de jeu, j'ai envie de basculer sous Minecraft. Pour mon plus grand plaisir, je suis en train de vérifier la balance au niveau des ressources de mon ordi. Ah là là, ça saccade mon truc. Merde, j'ai fait saccader le schmilblick. Alors, le pire, c'est que pour moi, c'est fluide. Pour moi, c'est fluide, mais vous, c'est saccadé à mort. Ce qui est pas normal. Attendez, pardon, je fais mes tests. Là, je vais dans la cage à lapins géante. Ah merde, ça devrait pas saccader. Ah, ça saccade à mort. Ah mince. Donc mon choix est pas le bon. Ouais, mon choix est pas le bon. Je suis en train de vous torturer les yeux là, je suis désolé. Tout saccade, ouais, effectivement, tu une scène, je te confirme. Parce que si je dis inférieur à la normale, ça va être encore pire, non? Ou c'est mieux? C'est là où je vais planter la diffusion, vous allez plus rien voir. Ah, quand je bougeais pas, les lapins, c'était bien. Hein. Ah! Oula! Oula! Là, les lapins étaient inertes.
Je vous lis en même temps hein, dans le chat, je garde un œil. Ça me permet de faire des tests. C'est moi ou j'ai... Ah bah non, je suis en train de bidouiller mon truc, c'est pour ça que l'image est figée. Parce que j'étais en train de bidouiller des trucs. Ah, ça a l'air d'être mieux. Mais c'est bizarre, pour le coup, OBS, je l'ai mis en position basse et non pas élevée. Là, là c'est bien. Ah, c'est trop bizarre. Bon. Ah, et l'autre, il me poursuivait, le truduc. Il voulait se barrer. Ah, il y a ma mule ici, qui m'a été offerte gentiment par Nash. Par Nash Evman, épicurien, qui me sert beaucoup. Ah oui, j'avais plein de disques à distribuer. Mais j'en ai tellement des doublons de disques maintenant que je sais plus où les mettre. Ne répondez pas à cette question. Ouais, c'est mieux. Hein. Oui, non, mais c'est bon, j'ai trouvé le réglage optimal. Mais je manque encore d'expérience avec OBS et la diffusion en direct. C'est étrange. Parfois, OBS, je le mets en priorité haute. Ça va mieux. C'est le cas en général quand je joue à Dying Light. Et là, Minecraft, c'est l'inverse. Il faut que je le mette en priorité basse. Me demandez pas pourquoi, je peux pas expliquer le comment du pourquoi. C'est trop bizarre. Technique de double PC à faire. Ouais, mais c'est du boulot, une scène. Ça va venir, hein. Mais ça va me demander du boulot. Je vais essayer de faire ça dans la semaine, au courant de la semaine prochaine. Tu m'étonnes, c'est la révolution normalement après une scène. Mais je serai top confort, top niveau. Oh, le zombie sur la pyramide, l'autre. On t'a vu, assassin. Oh, le temps qu'il descende de la pyramide, je me serais barré au loin. Je serais tenté de ranger mes doublons de CD de musique dans l'entrepôt principal au niveau du point zéro, là, la presqu'île à l'arénette, là où quand vous vous connectez au serveur, c'est là où vous apparaissez au début. Ah, alors les enfers, on va y aller. On va retourner dans le crâne après. On va se faire une petite matinée dans les enfers. Il faut que je vous avoue que hier soir, tout en regardant d'un œil très intéressé ce qui se passait du côté de chez Poupon, au niveau de son serveur Minecraft, GG à l'équipe, aux jeunes que je connais mal d'ailleurs, il y a Sisborg, il y a Romain, il faudra que je fasse leur connaissance ultérieurement, des artistes, ces garçons sont des artistes acharnés, je vous invite à regarder la rediff de Poupon. Incroyable, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique d'un point de vue artistique et d'un point de vue logique, mécanisme, automatisme, c'est remarquable. Moi à côté, je suis un clampin, hein, je vous le dis tout de suite. Superbe. Bref, tout en regardant d'un air amusé et intéressé ce qui se passait chez Poupon hier soir, moi j'ai bidouillé dans ma coulisse et j'ai basculé dans un mode, ce qu'elle veut dire en version modée, notre serveur Minecraft. J'ai un nouvel outil qui me permet de faire le lien entre mon Discord et le jeu. Souvenez-vous, précédemment, je m'étais amusé à programmer la possibilité que pour vous, dans le chat de... Dans le chat de Twitch, vous puissiez, en préfixant avec ma tête version Minecraft, suivi de votre message, bien qu'entre parenthèses, il y a un bug avec les virgules, mais je reverrai ça plus tard. Ce que vous écrivez à ce moment-là dans le chat de Twitch, ça se voit dans le jeu. Je rappelle la condition, s'il faut préfixer avec ma tête dans le jeu Minecraft, vous avez l'émoticône normalement. Bon là, je suis casqué, pardon. Mais c'est comme ça que ça marche. Et bien maintenant, vous allez dans mon Discord. Pour ceux qui sont inscrits dans mon Discord, je vous rappelle, c'est gratos hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Soyez rassurés, je vous demande pas le moindre centime, c'est totalement gratos. Vous pouvez aller maintenant dans la branche Minecraft de mon Discord, et ben vous pouvez voir les messages qui sont échangés dans le jeu, mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est bidirectionnel, c'est à dire que vous pouvez écrire dans le Discord, ça se verra dans le jeu, ce qui est vachement pratique. J'ai trouvé ça génial. Pour la communication, en fait, chacun prend son aise. Soit vous êtes à l'aise pour. Je crois que je suis le seul joueur connecté, hein, il n'y a personne là. Oui, je suis le seul. Mince, j'ai déclenché une capture d'écran. N'importe quoi. Voilà, je fais passer la nuit. Au niveau de la communication, c'est génial. C'est-à-dire que vous prenez vos aises.
que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Discord, ou carrément dans le jeu lui-même, si j'ai le plaisir de jouer avec vous, et ben voilà, on va être interconnectés, chacun prendra l'interface qui lui plaira, et on pourra se lire, quoi, ne pas louper le moindre message, c'est génial. Il y a d'autres fonctionnalités d'ailleurs avec le robot que j'ai installé sur le Discord. Je vous en dirai plus tard parce que moi-même j'ai pas pris le temps de fouiller la puissance du robot. Mais j'ai eu le temps de mettre en place ça hier soir. Honnêtement, ça m'a pris 3h30, hein, ça m'a bouffé ma soirée. À un moment, j'ai failli abandonner, j'étais en situation d'échec et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et j'ai fini par trouver le comment du pourquoi. Donc pas peu fier. Voilà, tu une scène, très bien. Joyeux Noël. Voilà. Là on le voit au niveau du signal clac. C'est génial. C'est sensationnel comme truc. Je vais faire un coffre spécial musique. Les disques. Il n'y en avait pas un qui était qui traînait dans le petit coffre là. Parce que là, c'est un petit coffre fourre-tout. Non, il n'y a pas. Par contre, dans le bois, s'il y a... Non, il n'y a même plus non plus. Il n'y a plus rien. On a tout bouffé. Bon, ça, c'est une blague d'un Underman, qui n'est pas drôle, parce que ça met... c'est pas propre. Et je veux un établi pour faire un écriteau. Attendez, il m'en faut plus, là. Hop, pancarte en chaîne, et je vais notifier que le coffre là est réservé aux disques musicaux. Pouk. Alors, pardon, je m'avance pour avoir mon vrai clavier et dire que ce sont les disques musicaux. Voilà. Alors, debout fun fan, c'est l'heure de l'orage. Oui, on va pas le provoquer non plus. Oui, j'ai vu ça, c'est incroyable, dit Torota, et vous saluez entre vous. Ouais, c'est classe, hein. Mais bravo à ceux qui ont développé le petit robot sur et sur Minecraft et sur Discord pour faire le lien. Et c'est là où ça m'a inspiré confiance, en fait, parce que je me méfie, vous savez, j'ai peur de me faire shipper mes identifiants, de me faire pirater de manière générale. Et en fait, le programme en question est ouvert et libre. Tout le monde peut consulter le code source pour voir ce qui est bidouillé dedans. Donc ça m'a mis en confiance. Et du coup, j'y tiens, allez hop. Comme il revendique, je crois, il y a environ 2000 serveurs Discord qui l'ont installé. Et... C'est pas le plus populaire, hein. Mais c'est lui qui a la fonctionnalité de pouvoir... De pouvoir faire le lien bidirectionnel entre le chat du jeu et le Discord. Et quand j'ai vu ça, je dis il faut que je fasse tout pour mettre en place le Schmilblick, parce que c'est sensationnel. Le confort, il est énorme. Donc, en plus, ça me permet de parer ma grosse phobie Twitch, qui est de mettre un vent à quelqu'un. Je supporte pas d'ignorer quelqu'un accidentellement. Et ce genre d'outil me permet justement d'éviter ce genre de soucis gênants. Comme ça, je loupe rien de vos bons mots et de vos excellentes remarques. Merci à vous. Oui, alors, il y a un revers de la médaille en ayant mis en place ce système. C'est pour ça que j'ai longuement échangé avec Nashevman tout ce matin avant d'émettre, et je l'en remercie de m'avoir répondu. Et j'en suis rassuré. Pourquoi? Parce qu'en fait, en basculant en version modée de Minecraft, ça ne change rien à vous, hein, en tant que joueur. Au niveau des conditions, ne changez rien à votre version de Minecraft en tant que client. Sur votre PC, la version normale Vanilla d'origine fonctionne toujours très bien. C'est moi qui ai dû bidouiller, coder serveur pour mettre en place ce système. Et ben en fait, en basculant en version modée, je sais pas pourquoi, mais ça m'a été imposé, la sauvegarde des dimensions est séparée en sous-répertoire, alors que par défaut, c'est pas le cas. Tout est lié dans un même répertoire qui s'appelle Monde, World en anglais,
Et ce qui fait que les enfers ont été réinitialisés. C'est pas de ma volonté, mais coincé. Et j'avais peur que Nashevman ait fait des trucs vachement poussés dans les enfers. Je sais pas où, entre guillemets, garer ma mule. Parce que l'endroit est pas forcément top pour une mule. J'aurais peur de la perdre, alors je suis tenté de l'attacher. Je vais la mettre là, la pauvre. J'aurais pas mieux, parce que sinon elle va se barrer. Et je vais l'attacher à. Hop, voilà. Il y a de l'herbe à brouter, ça va, c'est pas de la torture, il fait bon, c'est protégé. Te plains pas, épicurien. On se reverra bientôt. Je vais même déposer mon surplus de matos là, parce que. Parti dans les enfers. Ah, j'ai pas de roche. Ah, j'ai pas de. Un briquet peut être pratique dans les enfers. Ce serait bien que j'aie de la roche classique. Avant de m'engouffrer dans les ténèbres. Ça m'éviterait de me retrouver dans la panade pour X raison que ce soit. Et là, Crotum, j'ai des matériaux nobles, donc je vais pas me saisir de ça. Je vais mettre en veille ma tablette, puisque le contrôle qualité a été fait. Je vais économiser là. Oh mon Dieu! Les chats! Voilà, lui, c'est lui qui a été reproduit. Je n'ai pas encore donné de petit nom. Oh là, il m'a fait peur le villageois. Et Calmos, ça m'a foutu les boules lui. Et il m'a fait un coucou à la Thunsen là. Il aurait pu me faire bondir cet abruti. Merde, j'ai. Elle est bonne celle-là. C'est le matériau le plus commun de Minecraft qui est la roche piochée là. Et cobblestone en anglais. Et j'ai plus rien. Waouh, j'ai rangé si bien que ça mes coffres? Ça m'étonne. Alors, j'entends pas ma musique, moi. Je sais pas si vous entendez de la musique. Normalement, vous devriez en entendre. On est d'accord, j'ai appuyé sur lecture. C'est lancé ma musique. Non? Ah oui, ça joue de la musique. Oui, non, je sais pas, c'est bizarre. Bon. Parce que je l'ai pas en retour, je m'entends moi et j'entends le jeu dans mes oreillettes, mais j'entends pas la musique. Enfin bref, n'hésitez pas à me faire vos remarques. Incroyable mais vrai, j'ai même plus de roche classique. Alors là, j'en reviens pas. Ah, attendez. Attendez, attendez, attendez. J'ai peut-être mal fouillé mes coffres. Parce que j'ai un petit étage inférieur là. J'ai une sous-planque ici, là où il y a le chat. Osiris, pousse-toi. J'ai encore un autre chat. J'ai des chats à tous les étages. Vous me donnez tellement envie de jouer à Minecraft que j'y jouerai soit lundi en fin de soirée, soit mercredi soir pour commencer une nouvelle carte. Ah! Ah, voilà! La pierre classique, elle est là. Voilà, là je vais pouvoir me satisfaire de ça. Oui, en parlant de Minecraft, la prochaine grosse version qui va sortir va être juste énorme. La 1.20 qui devrait sortir bientôt au printemps, fin mars ou début avril, si je dis pas de bêtises. Les changements sont monumentaux. Il va y avoir plus de 600 recettes d'armure à trouver. Alors, quand je dis recettes d'armure, c'est la déco. Le fait d'être en turquoise, en vert, en machin, avec des petites fantaisies. Il va falloir trouver les plans, si j'ai bien compris, dans des coffres au trésor. Et à ensuite, chercher les ingrédients pour appliquer la recette, quoi. Il va y avoir l'archéologie. L'archéologie, je sens que c'est un copier-coller très inspiré de Starbound. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Starbound, je vous le recommande. C'est Minecraft en 2D, pas en 3D, c'est en 2D, mais c'est dans l'espace et c'est d'une poésie ce jeu. Magnifique.
Et il y avait justement déjà de l'archéologie à l'époque où il fallait trouver des fossiles en sous-sol, dégager avec, méticuleusement avec des pinceaux, et tu avais une probabilité faible de réussir. Donc il y avait un challenge qui était relevé. Puis vous savez, c'est la collectionniste façon Pokémon. Faut tous les avoir. Derrière ça, un nouveau biome va apparaître. Le nouveau biome, ça va être les cerisiers en fleurs. Ce qui est très japonais. Voilà, alors que je débarque dans les nouveaux enfers. Que je vais découvrir avec vous. Wow, je me souvenais pas qu'il y avait de l'or. C'est pas plus mal d'avoir initialisé les enfers. Parce que du coup, je suis à la version 1.19. Enfin, non, 1.16, je suis plus les derniers. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a déjà un truc. Ça y est, c'est parti. Là, vous allez me perdre dans Minecraft. Oh! Oh, c'est la mort! Oh! Oh la vache! Vous avez vu les particules de braise? Oh mon dieu! Bienvenue en enfer. Alors, pour baliser l'endroit. Ouh la vache! Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se présente à moi de manière accidentée. Waouh, la flore infernale! Avec des champignons pas mignons. Ouh là 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 là! Va falloir récolter de ces échantillons. Va falloir analyser tout ça. C'est trop de nouvelles matières que je ne connais pas. Oh, la coulée de lave. Si je peux la péter à sa base, ce serait bien à sa source. Aïe, 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 je pourrais pas passer, là. Attends. Merde, j'ai dégommé... oh là là, attends, je vais pas tout dégommer non plus, mais... voilà, là, ça sera mieux, les lianes pleureuses. Est-ce que je peux éteindre l'incendie déjà en plaçant ça là? Voilà. Ah, je vais me libérer un accès. Voilà. Ok. Ah bah la, non, la source était... Oh, hey, j'aime bien la cohérence. Le fait que ça fasse un ruisseau de lave, je trouve que la coulée, elle est vachement cohérente. Il faut surtout pas que je m'éloigne trop loin parce que... Non mais c'est les bois infernaux ici. Mais qu'est-ce que c'est que cette config de mort? Waouh, 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 waouh. Waouh, c'est trop bizarre. Ça fait flipper. Je flippe au score. Ah, c'est la matinée de la flip que je suis en train de m'offrir. Ah si, j'entends un peu la musique en arrière-plan, donc ça va. Non, vous avez de la bonne musique. Tu peux pas noter les coordonnées du portail? Ah, c'est très intelligent comme remarque. Mon cher Torota, je n'attendais pas moins de toi. Bravo. Tu as raison, je vais faire un petit F3. Et oui, oui, c'est fort pertinent de ta part. Merci de me l'avoir soufflé dans le creux de l'oreille. Mais non, mais sérieusement, là, vous voyez comment ça se présente, la cavité? Il faudra que je fasse à l'occasion un truc propre, du genre un escalier en colimaçon, avec toutes les directions à explorer. Mais tu as raison. Alors... Nouveauté, moi aussi. Normalement, je me suis programmé, je voulais la voir la jeudi dernier, ou le week-end dernier, je sais plus. Non, jeudi dernier. Une capture d'écran automatisée. Quand il y a un truc intéressant, je fais ma touche spéciale et ça fait sauter le jeu. Merde. Ça marche, mais ça fait sauter le jeu, je suis désolé. Et là, vous voyez... Regardez, la troisième ligne, en partant du haut, vous voyez Spigot, ou Spigot plutôt, parce que c'est pas un Y.
Spigot Server. Et c'est une version modée dite Spigot qui est compatible, en fait, programmée par rapport à la nouvelle fonctionnalité, là, que je vous ai expliqué, vous écrivez dans le Discord, etc., blablabla. J'étais contraint de modifier le jeu comme ça, et c'est comme ça que ça marche, quoi. Et je trouve que c'est pas plus mal d'avoir initialisé les enfers. Parce que je trouve que les enfers, là, pour le moment, j'ai mis une réserve. Je trouve qu'il présente mieux que la précédente version des enfers que j'avais eu. Donc, ça me plaît. Ça me plaît. Donc, j'étais à... Ouais, c'est quasiment... C'est cohérent, tu sais, avec la carte, la dimension d'origine. Je suis quasiment au point zéro, en fait. Mais très bonne... très, très bon réflexe. L'imbécile que je suis était parti pour se faire avoir en toute beauté. Là, je vous le confesse. Wow, l'escalade périlleuse. Oh, il y a déjà du marbre. J'ai très peu de marbre. J'en avais un petit peu extrait précédemment du marbre, mais pas tant que ça. Les coulées de lave. Oui, alors on voit ton... Allô ? Alors, évidemment, on n'aura pas la version graphique des émoticônes. Donc, quand vous faites open mouth, là, ça veut dire la bouche ouverte. Tu fais la bouche ouverte. Voilà. Oh, mon Dieu, un sanglier. Méfiance. Capture d'écran. Aïe, c'est précieux, ça. Objectif, extraction. Burp. C'est de la glowstone. Dans la version originale, c'est de la poudre lumineuse. Et on fait des choses merveilleuses avec la poudre lumineuse. Ou première cascade. Mais je marche sur quoi? C'est organique ou... je crois. Oh, c'est la mort en contrebas. C'est un sanglier. Je vais peut-être me calmer et revoir à la baisse mes... Oh là, l'extraction, vas-y, toi. Le machin, il pendouille à 30 mètres de haut. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathias. Ou peut-être était-ce un accident dans tes dents. Est-ce que je peux mettre un bouchon pour la lave là? Parce que plafond piégé. Je ne sais pas comment procéder. Je sens que ça va mal se terminer. Ah non, ça va. Enfin, ça va. Si je loupe le saut, je suis mort. Et lui, il m'a dans le viseur. Je vais me faire déboîter. Je crois que c'est pas ma journée. Ah! Je me suis fait peur. Ouh, ça va marcher, mon truc. Alors, attends. En diagonale, je vais essayer surtout de pas me cramer. Tant que j'ai pas des archers qui essayent de me dégommer. Oh yeah. Ça, c'est la classe. Là, vous voyez, j'ai l'impression de faire un boulot de démineur. Oui, tu fais bien de tester Nashemman. J'ai envie de te dire, c'est fait pour ça, maintenant. Voilà, une petite torche pour dire que... Voilà, attirer l'attention et faire comprendre que... Ça a été visité ici et qu'on est proche de la civilisation. Ah là 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 là. Oui, pardon, je l'avais pas lu de vive voix, mais Roster, j'ai plaisir de lire que tu vas bien. Tu avais répondu que tu allais bien, c'est cool. Wow. J'adore l'effet de braise. Les particules qui volent là, c'est excellent. C'est la petite différence qui fait... qui donne un degré de réalisme fou furieux.
et qui vous plonge dans l'atmosphère torride et des enfers minecraftiennes. Ouh là là. Eh, le moindre faux pas et c'est la mort. Hein. Ça déconne zéro. Alors, Torota me dit, tu veux pas chercher des débris antiques pour améliorer armure et outils? Je ne sais pas qu'est-ce que les débris antiques. Je sais qu'il peut y avoir une super armure mieux que la... que l'obsidienne, là, qui s'appelle la netherite, là, je sais plus quoi. Mais je connais pas, j'ai jamais vu. Hier soir, j'ai vu chez Poupon. Tout le monde était équipé de l'armure des dieux, là. Mais moi, la matière des dieux, je la connais pas encore. J'ai pas encore accédé au niveau divin, les gens. Doucement. Attends, t'as dit... des débris antiques? Je sais même pas à quoi ça ressemble. J'ai envie de dire, dans l'immédiat, le débris antique à l'écran, c'est moi. Hein, parce que... Waouh, le temps que je m'accapare les lieux. Alors attends, je viens de là. Là, il y a comme un mur ici. Est-ce que je pourrais pas déboucher sur une autre cavité si je m'acharne à me diriger vers là-bas, non? Si, si, il y a l'air d'avoir des cavités. Il y a peut-être moyen d'aménager déjà un premier passage. Le problème, c'est que je vois pas grand-chose. C'est casse-gueux. Excusez-moi du peu. Il y a quelque chose par là-bas. Il y a quelque chose par... voilà. Là, je suis au-dessus du portail, on est d'accord? Oh! Mon dieu, vertige! C'est haut! Au secours, maman, j'ai peur! Alors, attends, là, c'est de la ressource. Et sans déconner, il y a un ennemi qui veut me dégommer avec une flèche. Il la décoche bien, il fait strike. Hein. Il me zigouille, le gars. Est-ce que je la tente en creusant là-dedans? Aïe! Pardon, alors que je suis en train de me faire mal au pied. Puisque je me suis installé comme un sagouin sur mon siège. Attention à la lave qui peut débouler à tout instant. Je suis tenté de voir s'il n'y a pas quelque chose. De toute façon, à force, je vais obligatoirement déboucher sur un truc. Reste à savoir quoi, mais... Alors, les matières nobles, j'essaie d'éviter de les récolter maintenant, parce que Prout... parce que j'ai une autre pioche, vous voyez, dans mon inventaire, avec un effet fortune. Ce qui me permet de doubler, voire tripler la mise dans le gain lorsqu'on extrait la ressource précieuse. Sauf que c'est pas mon but dans l'immédiat. Et que je contourne consciencieusement la dite matière précieuse. Voilà. Une nouvelle cavité. Oh, j'arrive à un endroit propre. À une extrémité. Alors attention aux trous dérobés. Parce qu'en général, les enfers, le trou dérobé égale mort dans le bain chaud. Et final façon Terminator 2. C'est moche. C'est un super cul-de-sac. C'est pas mieux que mon point d'origine. Bon, là, on voit qu'il y a un loustique qui est en train... Oh merde, c'est un arbalétrier, le gars. Quand je parlais de me faire dégommer à coup de flèche, bah, voilà. Les cavités naturelles, mais quelles sont-elles? Alors, j'espère que je vous fais pas trop un effet gerbotron quand j'utilise ma lunette télescopique. C'est même dommage d'ailleurs qu'ils aient pas mis une option dans le menu du genre quand vous dégainez la lunette, vous le faites plus ou moins rapidement et j'aurais mis moins rapide. Parce que le fait de jeter un coup d'œil, là je fais en mode gerbotron. Tu dois aller environ à la couche 15 des enfers, donc le nether, là où je suis, pour pouvoir en trouver. Mais tu vas devoir utiliser des lits et de la TNT pour les faire exploser et essayer d'en trouver. Pff, alors, avec les poches de lave qu'on peut accidentel... Oh, lui, même pas. Ah! Ah! Au secours! Un homme menaçant avec une tête de cochon et de... Ah! Ah!
Ah, au secours! Au secours! Non! 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 Pas fun fan! Non, pas maintenant! Pas maintenant, au secours! Je vais me faire gambanguer! Au secours! C'était quoi? Bonjour, fun fan! Pardon. Mais il m'a mal regardé, lui! Il m'a fusillé du regard! Au secours! Il est sorti du bois infernal et puis... Et puis message j'ai pleuré. Message de Fun Fan 1992. Bonjour tout le monde. Non, j'ai pas mis raccommodage sur mes outils, non. Raccommodage, c'est un luxe, excuse-moi Torota. J'ai pas mal de livres de magie, là, d'effets. Mais j'ai pas raccommodage, c'est rare. Je vois que tu vis dans la luxe... Enfin, dans le luxe... J'ai dans la luxure, pardon. Dans le luxe, Torota. Ah! Mais pourquoi il me vise? Mais c'en est un autre, au secours! Ouah, et le portail me protège. Mais... je suis troublé, là. Je suis troublé. Bonjour, FunFan, pardon, excuse-moi. Attendez. Alors, attendez. Les versions précédentes, quand je jouais à Minecraft, il n'y avait qu'un seul type d'homme cochon. Ils étaient neutres à partir du moment qu'on n'agressait pas un de leurs semblables. Jusque-là, on est d'accord, vous me suivez. Mes agresseurs, c'est quoi? C'est une deuxième catégorie d'homme cochon qui est très vilain par défaut? J'ai pas compris. Là, excusez-moi, mais je reste ouvert, je veux bien vos explications. Parce que je suis pas à jour. J'ai pas compris l'agression. Oh, c'est cool. J'ai récolté de la matière. Des enfers. Tu avais dit qu'un jour, un samedi matin, je t'enverrai un zombie pour signaler ma présence. C'est fait. C'est fait. Aïe. Donc, je me répète. Tu portes de l'or sur toi? Ma montre, elle est en or. Ma montre, elle est en or. Ma lunette télescopique, elle est en or. Mais... Ouh, ils sont en or. Je voulais que je la fasse. Non, en dehors de ça, non. Donc, l'or les attire. Ah. Ah. J'aime bien la mécanique de jeu. Ça sous-entend des stratégies... J'aime bien. Bon, je vais prendre mes houilles à deux mains et je vais y aller quand même. Ah, priez la divinité Midas pour faire peur. Non, me donne pas de l'or alors que ça les attire. Oh l'hôte, merde, il a compris le truc, au secours. Au moment où j'y vais. Hein? Bah, pourquoi j'ai pas eu... Attends. Ah merde, pause FunFan. Il y a un truc qui a été cassé. Quand t'as donné l'or, je l'ai pas reçu. Ah merde! Ce que j'ai modifié hier soir sur le serveur, ça a cassé mes dons, ma boutique. Pause, attendez. Phase de test ouverte. Je reste dans le monde normal. Est-ce que tu peux me donner un bonus, s'il te plaît, FunFan? Quel qu'il soit, je sais pas, les torches ou je sais pas quoi. Parce que j'ai l'impression que j'ai cassé le truc. Quoi? Il te faut des bottes en or au moins pour pas te faire attaquer. Ah, c'est l'inverse. L'or les repousse, mais en armure. Ah, d'accord. Ok, merci Torota. Ah oui, alors là, tu m'apprends un truc. Mais mince, mes modifications d'hier soir dans le serveur, j'ai un gâteau. Ah, ça marche plus! Merci, FunFan. Stop, ça marche plus! Ah, merde! Pourquoi ça marche plus? Parce que on voit l'annonce que t'as acheté le truc, mais pourquoi je le reçois plus? Oh, c'est bizarre! Ah, merde! Ah, ma modif d'hier soir sur le serveur a cassé la boutique. Ah bah la soupe, j'ai même pas vu. Merci FunFan, mais la soupe, j'ai même pas vu.
Ah merde! Ah, c'est ballot! C'est ballot. Non, mais il faut que j'essaye de me défendre. Je vais essayer de les patater. Je vais essayer de progresser un peu dans les enfers. Ah merde, pourquoi ça marche plus la boutique? Alors ne fais plus rien, Funfan. Je suis désolé parce qu'il y a juste le. Ouais, c'est cassé, Nayoneb. Bonjour. Ouais, c'est cassé. Et eux, ils sont neutres, on est d'accord. Pour eux, je les ai pas attaqués. Ok, d'accord, je commence à comprendre. Ça me rassure, parce que si tout le monde est en a contre moi. Bonjour, Nayonet. Pourquoi ça a cassé le. Putain, il m'a fait peur, ce con. Pourquoi ça a cassé. Mais regarde pas comme ça, tu me fais peur. Pourquoi. Attends, le message est mis dans le serveur, mais il n'exécute plus le don de. Ça, je comprends pas. Ah merde, lui, c'est un méchant. Va mourir, toi. Je commence à prendre confiance. Maintenant que. Merci, Torota, tu m'as expliqué. Ça me met en confiance, parce que j'ai les mécanismes. Caché ou pas caché, j'arrive. Oui, n'hésite pas à venir, Nashevman. Alors lui, c'est un méchant. Oui, c'est un méchant. Méchant! Va mourir, méchant. Oh, une arbalète. Ah, c'est l'équivalent des. Comment on appelle ça? Des arbalétriers du monde normal, là, les visiteurs. Comme j'aime les appeler. Oh non, pas en sanglier. Non, non, non. Oh non, les sangliers, ils vont me déboîter. Oui, comment tu vas, Nayonet? Très bonne question et très polie de la part de Torota. Comment vas-tu, mon cher Nayonet? Alors que tout en jouant, je suis en train de réfléchir à me dire, mais pourquoi ma boutique, elle est cassée? Alors je suis désolé, tu vois, FunFan, c'est là où c'est bien, où t'es testeur. J'ai cassé mon truc, il faudra que je la remette en place. Oh, il faut que je récolte des ressources. Attends, je mange un coup. Pourquoi il court comme un dératé? Ah, c'est parce que c'est un petit. C'est pour ça qu'il court comme un dératé. Donc regardez, ma pioche, elle est spéciale, elle est Fortune 3. Fortune 3, je vais récolter davantage de ressources. Hop là. Pourquoi les dons ne peuvent plus se faire? C'est pas normal. On voit le message sur le serveur, mais la commande est refusée. Est-ce que j'ai pas un problème de droit? Ah, va falloir que je vois ça. C'est bizarre. C'est. Encore, il y aurait tout ou rien, je dis pas, je comprendrais. Mais là, ça marche de traviole à moitié. Il y a les messages, mais les annonces, mais plus l'action. Ça me perturbe. C'est trop bizarre. Moi, ça va bien, merci, Nayonet. Message de FunFan 1992. Et voilà, je suis redevenu un citoyen malhonnête, pas comme vous. Avant, j'étais Dieu. Mais tu vas redevenir Dieu. Tu penses bien que je vais vite réparer le truc. Bon, là, pour aujourd'hui, c'est loupé. Je suis désolé. Mais. Ils me font flipper. Torota m'explique. Voilà, Nashevman qui vient de rejoindre le jeu. Torota qui m'explique. Eux, ce sont les pinglins zombies. Arrêtez de courir comme des dératés. Ah! Ils t'attaquent que si tu les attaques. Et le pigling qui n'est pas un zombie comme celui que tu as attaqué, tu dois t'équiper de bottes, soit armure ou casque en or pour qu'il te lâche les basques. D'accord. Ok. Oh, j'aime bien mon armure en diamant. Bon, t'as dit au moins un élément. Ah merde, je suis niveau 30, eh.
Faut pas que je crève, parce que niveau 30, je peux enchanter un truc. Alors, on va faire des allers-retours entre les enfers et le monde normal, parce que... Je vais mettre à profit mon expérience... durement acquise pour m'enchanter du matos. C'est pas fou, pas folle la guêpe, comme on pourrait dire. Tiens, d'ailleurs, je vais récolter ça maintenant. Ah, ça me rend fou. Pourquoi la boutique en mode dieu ne fonctionne plus, enfin, est devenue bancale? Ça me... C'est trop bizarre. Le fait de passer en modé, est-ce que j'aurais cassé... Je pense que c'est une question de droit. J'ai dû briser les droits de modif sur le serveur. Mais c'est bizarre parce que j'ai copié-collé la liste blanche et mes propriétés de serveur quand je suis passé en... Bonjour Nacheman, bonjour, bonjour. Coucou, coucou. Mais non, mais non. Nayanek qui prétend avoir piraté ma boutique. Oui, t'as encore ta voix de dieu, Funfan, ouais. C'est bizarre. Oui, donc aux nouveaux arrivants, Funfan, Nayanek, pourquoi s'est cassé la boutique? C'est parce que j'ai mis en place une nouvelle fonctionnalité hier soir sur Minecraft. Maintenant, vous pouvez écrire directement dans le Discord. Vous vous souvenez précédemment? Il y avait moyen de préfixer dans le chat de Twitch avec ma tête Minecraft, suivi de votre message, ça se voyait dans le chat. Maintenant, dans Discord, c'est pareil. Quand vous allez dans la branche, le salon dédié Minecraft dans mon Discord, vous voyez les messages qu'on a écrits dans le jeu, ils apparaissent dans le Discord, mais ça marche dans les deux sens. Vous écrivez dans cette branche du Discord, ça apparaît dans notre jeu. Voilà, c'est ça que j'ai mis en place hier soir. Et je comprends pas pourquoi ça a cassé le... ce que j'avais précédemment, la boutique. C'est vraiment bizarre. Va falloir que je planche là-dessus. Peut-être ce soir d'ailleurs, si je suis pas trop crevé. Ouais, ouais. Donc désolé, Fulfan. Tu perds ce week-end, tu perds Tu perds l'attribut de Dieu, là, comme tu dis. Mais ça reviendra. Je te le remettrai rapidement. Mais je suis surpris. Je m'attendais pas à ce que ça casse ma boutique mise en place précédemment. Et j'en suis désolé. C'est vraiment bizarre. Attends. Est-ce que j'ai tout sur place pour me faire et un outil? L'enchantement, je sais que... Merde, j'ai pas de diamant. Ah, merdoum! Demi-tour, toute! D'ailleurs, je vais en profiter pour ranger dans un coffre mon butin, là, de... Oui, nouvelle fonctionnalité satanique qui fait tout fait foirer. Ouais. Mais je vous cache pas ma surprise. Ouais, vient de provoquer un orage, ça marche pas. Tu vois, ça marche pas. Il y a un beau soleil magnifique... Pourquoi ça a cassé le truc? Ah, ça va me bouffer tout le week-end. Je vais essayer de comprendre à tout moment le comment du pourquoi. Je commence à manquer de bois. Ah, le bois d'acajou est une essence encore rare ici sur le serveur. Je vais peut-être prendre un bois plus classique pour me faire mes bâtons. Ou alors je pète des buissons dans le désert, ça fait des bâtons aussi. Ouais, allez, je vais me faire une pioche. Je vais me faire une pioche et on va l'enchanter de ce pas. C'est trop trop bizarre. Oui, non mais t'as raison, Fanfan. Pas d'orage. Ouais, de toute façon c'est cassé, ça marche pas. Ça marche plus. Jusqu'à ce que je répare les pots cassés. Mais ça me laisse vraiment songeur. Ça me laisse vraiment songeur. Bon, bref. Merde, mais quel idiot je fais. On voit que je suis pas concentré. Comme le lait, comme le jus d'orange que savoure Funfan au petit matin. À son réveil.
Voilà, efficacité. Oh! Sympa l'enchantement. Voilà, toucher de soi, ça peut être pratique. Enfin, en plus pour une pelle, mais bon, je vais pas m'en plaindre. Le proverbe dit qui rira bien rira le dernier. Ton armure en or pour l'expérience. Ah bon? Ah, tu veux dire équiper d'armure en or et oui, lui donner des attributs magiques. Oui, c'est ça que tu veux dire, Torota. Ok. Ah, ça me fait bizarre de me dire que je dois avoir une armure pour la dimension normale et une autre pour la dimension des enfers. Je vais prendre le risque. Je vais suivre tes conseils, Torota, et je vais essayer de me faire une armure en... Tu as dit où, hein, tout à l'heure? C'était exclusif et pas inclusif. Enfin, je m'exprime mal, pardon. C'était un élément de l'armure en or suffisait, hein, si je t'avais bien lu. Attends, pardon, merde, je fais sauter le jeu parce que je remonte le chat. Soit armure, soit casque en or pour qu'il te laisse tranquille. Oui, c'est... Ouais. Ok, d'accord. J'ai encore les sons. Oui. Juste le plastron à mettre. D'accord, ok. Ah bah tiens, j'en ai un là. Ah, j'ai pas fait exprès. J'en ai un tout prêt. Allez hop. Ok, merci. Hop, je vais me distinguer mon armure. Mais au pire, tu te batailles contre le piglin. Bah, j'ai commencé par ça en fait. Même si j'ai eu la flip, mais... En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. Et tu nous avais avoué, mon cher fun fan, toi qui aimes bien ce son, qui était pour moi une expérimentation d'essayer de faire en version techno la chanson célèbre de ma région. Ton grand-père qui était vosgien te le chantait de temps en temps. Donc du coup, en même temps, ça te rappelle ton enfance. Alors que j'ai merdé mon seau. Ah, voilà, là c'est mieux. Burp. Alors. Alors, je vais essayer de prendre le risque de progresser. J'ai peur de me faire déboîter par un sanglier. Mais un complet, hein, pas un homme hybride. J'ai vraiment peur de me faire déboîter. J'ai merdé mon saut. Je l'ai dans l'ono, comme dans Sonic, pardon. Merde. Ouah, le stress. Le stress, le stress. Je sais plus comment faire. Hein? C'est dangereux de progresser par ici. Oh là 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 là, la bouffe va descendre à une vitesse parce que je m'esquinte, je me blesse. Même pas fichu de réussir un saut. Terrible ça quand même. Oh oui non mais là c'est la mort. D'ailleurs il faut que je fasse gaffe parce que j'ai peut-être sauté là où je peux pas revenir. Ah ouais. C'est rigolo. Enfin,
Si on veut. Oh non! Oh, non, mais je peux pas aller en bas. En bas, je vais me faire déboîter. Je vais jamais remonter. Oh, mais ça descend jusqu'à où? Ça descend jusque dans le néant. Et ça fout les chocottes. Waouh! La forêt infernale. Waouh! Énorme. C'est énorme. Non, je pourrais pas faire grand-chose. Je pourrais pas faire grand-chose. Plus tard, à mon avis, je prendrai le temps de sécuriser, vous savez, de faire une route de fortune passerelle. Oh, c'est la lave en bas. Ah, mais oui, mais c'est un fleuve de lave. Je tombe de là, je suis mort définitivement. À tout jamais. On ne retrouvera jamais mon corps. Ah, au secours. J'arrive plus à remonter, merde. Merde, ne me regarde pas comme ça. Chaque fois que j'essaie de remonter, je redescends finalement. Au secours. Ah, je vais me faire déboîter par un sanglier, je le sens. Il y a un lustre dôme au plafond de la grotte, ouais, c'est ça. Mais voilà, il est. Je suis pas prêt de l'extraire celui-là. Oh, j'aurais d'autres occasions ailleurs. Ailleurs de faire mon beurre. Alors là, j'avais un soustrait. Je réfléchis. À l'opposé, où est-ce que je pourrais creuser pour. Oula. Il y a un commando là. Ouais, attends, mais. Non, mais non, c'est la cavité que j'avais observée tout à l'heure. Si je redescends à mon point de départ. Oh. Au niveau de mon point de départ, je peux peut-être déjà me forger des galeries, comme je fais dans la dimension normale, vous savez, en 3 sur 3, là. Et aller me promener. Ouais, faisons quelque chose de correct, d'assez propre. On va faire ça comme ça. Alors, la pioche, je voulais bousiller à une vitesse, parce que comme ça casse facilement, on a la frénésie de vouloir tout péter. Mais en même temps, on bousille bien ses outils. Mais attends, c'est. Je suis tellement habitué à la matière Netherrack, dont la texture a changé, que ça me perturbe là aussi. Oh! Vous voyez la lave qui peut être partout? Ça m'a fait flipper. Ah bah, je vais ranger ma montre puisqu'il n'y a plus de notion de temps dans les enfers. À la place, je vais mettre, voilà, je vais mettre ça. Histoire de bien me démerder. Pardon, je vous lis dans le. Ouais, dans le chat. Oh, pourquoi? Pourquoi ça marche plus? C'est trop bizarre. Attendez, je vais faire un test. Je peux pas m'empêcher de faire un test, c'est plus fort que moi. Si je dis que je veux m'attribuer un truc, alors je crois que c'est la commande give. Give, moi, je me donne. Vous voyez là, c'est les trucs. Je me donne un bateau en acacia, on s'en fout, je prends le premier truc. Ça marche? Ah oui, ça marche. Ok. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Ça doit être un truc, une notion de droit. Mais pourquoi les droits ont sauté? C'est ça que je comprends pas. C'est en mon nom que c'est fait. C'est mon compte de joueur Minecraft qui est lié normalement. Quand il y a le mode Dieu là, la boutique. Je réfléchis de vive voix en même temps, hein, parce que j'essaie de solutionner le problème. Ça me bouffe que ce soit cassé. Non, faut pas que je mette de torche. J'ai utilisé le briquet, puis ça a fait un truc. Hop là. Voilà. Comme ça qu'il faut faire dans les enfers. Pourquoi?
On a le message, mais ça s'exécute pas. C'est super troublant. Surtout que la version modée n'est pas censée changer les droits. C'est ça qui est fou. Oh la vache, je suis en train de faire un corridor qui va être long de 15 km. Ça y est, je suis parti, je suis mal lancé là, c'est un truc de fou furieux. Ah, précieuse ressource. Attends, faut que je fasse gaffe à ce que le sol se dérobe pas sous mes pieds. Tac, tac, tac. Oh là là, le danger numéro 1 des enfers. Ouh, réflexe. Ouh, que ça coule très vite la lave. On peut le dire, j'ai eu chaud. Allez, ouf, lumière. Burp. Ah, ressources précieuses. Attention, coup de pioche. Les coups de pioche sont ici totalement maîtrisés. Oh là 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 là, je vais déjà voyager loin. Et là, ce qui serait délirant, je crois que t'avais galéré à mort d'Achèvement au début, dans les précédentes enfers, là, avant que ce soit réinitialisé, pour trouver une forteresse. Je suis sûr que t'avais erré vachement longtemps pour essayer de dégoter une forteresse. Je rigolerais bien que, sorti de mon tunnel, je me trouve carrément dans une forteresse. Ça peut se produire, hein. Je me marre, mais ça peut se produire. Dans le côté aléatoire du jeu, faut s'attendre à tout. Oh mon dieu, il se passe quelque chose. Bonjour, monsieur Centimètre. Bonjour et bienvenue, Kevin. On va dire Kevin, sans offense. Parce que le 31215. Ah, c'est. Non, mais non, j'ai mal lu, il y a un an. J'allais dire, c'est ton code postal, pas du tout. 131215. Je ne le dirai qu'une fois. Et oui, comment vas-tu, la politesse de chaque... Je n'en ai pas trouvé du tout, en fait. Ah ! Ah, bah, tu me l'avoues, Nachevman. Ce qui veut dire que c'est peut-être très bien que j'ai réinitialisé le bousin. Et peut-être très bien, finalement. Ça rebat les cartes. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. C'est quoi ? C'est très bizarre. C'est un poisson de lave là ? Je connais pas. Capture d'écran. Nouvel ennemi détecté. Aucune donnée accessible. Burp. Danger absolu. Ne pas approcher. Par contre, j'ai trouvé des débris antiques. Oh ! Incroyable. Tu es trop fort, Nachevman. Tu es trop fort. Bien joué. Je sais même pas ce que c'est, hein, sans déconner. Je me suis pas divulgaché. En creusant sous un... Ah, lac de lave ! D'où la difficulté dans laquelle tu t'étais trouvé. Kevin nous dit « Salut, comment allez-vous » Bah, nous, on va bien, merci. Et j'espère que c'est pareil pour toi, Kevin. Sois le bienvenu. Merci. Merci pour ton acte de fidélité. J'espère que mes âneries vont te plaire. Ah, voilà, il y en a encore. Oula. Pff, oh, la configuration de mort. Ça, c'est en lévitation, là. C'est un truc en suspension, on va dire. Et j'aime pas quand c'est... Bon, ça fait partie des bugs de génération de cartes. Oh, la mort vous va si bien. Je suis dans la mouise. Ah, au secours, j'ai interverti mes... Quoi, mes mains? Cette créature nous permet de traverser la lave. Mais pour ça, il faut un craft que je te laisserai trouver. Ah, oh, tu m'étonnes. Ouais, on peut surfer sur la lave. Mais faut que ton surf, il soit en diamant pur. C'est pas con, le fait d'avoir un animal qui permet de traverser la lave. C'est pas con du tout, ça me plaît. Oh, Minecraft a sacrément bien évolué. C'est cool. C'est cool, Waoul.
Alors pourquoi je dis comme un fou furieux c'est cool Raoul? Il faut savoir que le concept de fête foraine a été inventé en ma ville, à Nancy, en l'an 1600 je sais plus quoi ou 1700 je sais plus quoi, par un duc, le dit duc Raoul. Donc à chaque fois que je me rends dans une fête foraine, la première chose que je déclare, surtout à Nancy, c'est que c'est cool Raoul. C'est authentique, hein, je déconne pas. Je dis ça sur le ton de la plaisanterie, là, en faisant mon joyeux luron, mais c'est une vraie anecdote historique que j'avais lue dans un bouquin historique sur ma ville, quoi, les secrets de la ville de Nancy. Et j'étais agréablement surpris, en fait, de découvrir que le concept de fête foraine avait été inventé à ce moment-là. Et l'idée de base, en fait, c'était relancer le commerce. Et ils se sont dit, ah bah tiens, sur la place publique, le duc Raoul a dit, on va inviter les principaux artisans et les commerçants, les maraîchers, à faire étalage de leurs produits sur la place publique. Mais autour de ça, on va organiser des jeux. Jeux de tir à l'arc, jeux déjà de balles à dégommer des trucs sur stand. C'était les premiers jeux de la fête foraine. Dans les siècles passés, et l'idée est née visiblement à Nancy. Voilà, vous savez tout. C'est génial. La génération est plus belle qu'avant. Ouais, non, mais il y a. C'était pauvre, c'est vrai qu'à côté. Moi, je m'étais. Avant de modder Minecraft de mon côté par le passé, je m'en étais arrêté à la version 1.13. Ça remonte vachement en arrière. Là, on est dans la 1.19.3, c'est la folie. C'était pauvre à côté, c'était pas top. Oh merde, j'ai un escadron de robots là sur ma chaîne. Je suis en train de voir mon écran de contrôle et j'espère que l'escadron de robots va se tenir à carreau et va pas venir me polluer ma chaîne. Bref, ça me met un peu dans l'appréhension et ça me rend nerveux. Le pire, c'est les mêmes que j'avais détectés il y a 15 jours chez FunFan. C'est terrible, hein, c'est terrible. Oh, qu'est-ce que c'est que cette génération de... Ouais. Faut pas que je m'éloigne trop. Je sais déjà plus mon point de départ, là. Je suis en train de me faire avoir comme un bleu. Il faut que j'arrête mes âneries. Je suis en train de me laisser happer par le paysage et c'est comme ça qu'on se perd. Je viens d'où? Je sais plus. Je viens d'où? Merdoum. Je viens pas de là. Merde. Ça y est, c'est foutu. Je crois que je viens d'une extrémité comme celle-ci, mais c'était pas le bon niveau. Merde. Ah, j'ai commis l'irréparable. Je suis perdu. Je viens d'où? J'ai perdu mon point d'arrivée d'origine là. Merde. Excusez-moi, mais oh mince. Oh, j'étais plus haut tout à l'heure. Ah non, j'étais là. Ok, c'est ici. Ouh là là. J'étais ici. J'étais ici, il faut que je me signale. Alors, prise de risque, mais ça va me permettre de me voir au loin. Ouh là là, faut surtout pas que je me fasse dégommer. Ne pas se faire dégommer, sinon c'est la mort assurée. Oyé, oyé, voilà. Hop là, voilà, ça c'est une balise. Les robots, je dis à Twitch, c'est des utilisateurs suspects. Oui, si tu veux les dénoncer, n'hésite pas. Merci, FunFan. Attends, je vois un étrange Lucen Crown. Et tu les as vus, les Nota Bob? Non, Nota Bot Debt. Avec des séries de chiffres plusieurs fois, là. Merci, FunFan. Parce que c'est pas normal, ça. Ça, c'est des trucs automatisés. C'est pas des humains derrière, donc bouh. Et ça a rien à voir avec ce que j'ai mis en place sur mon serveur.
Ah. Ouais. Est-ce que je peux extraire plus d'échantillons de liens des enfers? Je sais pas ce que j'en ferai une fois de retour dans la vie normale. Arrête de me regarder comme ça, toi. Toi, tu me fous les chocottes, toi. Oh, il a un petit sac à la Lara Croft dans son dos. C'est rigolo. La 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 la. Merde, bravo. Le mec qui sait vachement proprement extraire des échantillons en milieu hostile, je fous la moitié de ma récolte dans le décor. Je suis en train d'en foutre partout. Champignons mini... Enfin, non, pas mignons ici, parce que c'est les enfers. Ça aussi, là, en globe de lumière, je sais pas si ça peut se créer. Mais, ça me déplairait pas. Alors, maintenant que j'ai balisé mon point d'origine, je prends des risques. Je sens que ça va mal se finir. Je vais... Non, c'est un lac de lave encore. Oh, oh là là, le milieu périlleux. Torota nous dit, tu veux un conseil pour descendre sans te faire mal? Oui, je veux bien. Ouais, là, je veux bien, j'accepte. Cool, Raoul, c'est dans Grim Fandango. Oh, aïe, 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 non, 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 il y a un ghast qui m'a repéré. Oh merde, il est en face. Il me voit et pas moi, c'est dégueulasse. Au secours, je me sens un peu beaucoup visé. Oh oh. Oh. Ah non? Ah, c'est eux aussi, parce que je porte de l'or, il me... Ok. Gentil, petit, petit, petit. Oh, le stress. Oh, il y a quoi en face? Ah, me piétine pas, pitié. Il m'a foutu des jetons. Me piétine pas. Moi, gentil. Moi, pas... Ah bon? Oh, ok. Il voulait se payer une bonne tranche. Merci, j'ai récolté 3... Oh, ma barque de mes deux, je l'ai achetée, là. Celle que j'ai testée pour la commande de Give. Hop, je suis pas censé l'avoir et ça me dégage un emplacement de libre. Alors, intéressant, tu es fan de Catch, de Minecraft et de Resident Evil. Ah oui, tu es très compatible avec nous, Torota. Bon, je crois qu'on va bien s'entendre sur le long... terme. Ah tiens, cette formation est troublante. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Oui, 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 c'est beau. Déjà, on fait une photo. Photo. Merp. Oui, j'en veux. J'en veux beaucoup. Fortune 3. Je veux me doucher dedans. Je sais pas si la Fortune 3 fonctionne avec la poudre lumineuse. J'en veux, oui, je veux, comme le coffre à Picsou, j'en veux à perte de vue et je veux pouvoir nager dedans, indéfiniment. La richesse absolue. On voit que ça émet de la lumière, hein. Quand je les pète, hop, tout devient noir, y a... voilà, la lumière est éteinte. Alors attendez, j'en ai récolté pas tant que ça, finalement. C'est comme quoi, vous voyez, hein, c'est une ressource rare. Je suis déception. Je vais peut-être allumer un peu. Voilà. Un petit de... Voilà, un petit peu de lumière. Alors, extraction de champignons. Pas mignon. On continue de... Oserais-je dire... longer la côte... Waouh, 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 waouh. Waouh, c'est quoi cette... C'est la mort. Encore une autre présentation d'une mort atroce. Pop, pop, pop. Et ça a l'air de... Ouh là là, ça a l'air d'être... Oh là là, c'est haut de l'Empire State Building, là, quoi.
Et c'est les ténèbres en contrebas. Papa. Moi, je vous le dis, j'ai les foies. Ya. Oh là là, oh là, oh là, oh là là. Alors, prendre le temps de décrypter les lieux très mystérieux. Ok. Oh non, mais là il y en a tellement. Je peux pas en extraire un. Je veux voir. C'est pas. D'accord. Ça serait du pain en poudre. C'est de la champilampe. Champilampe? Non! C'est ça! C'est ça en miniature! Ne me dis pas qu'avec la poudre d'os, j'en fais des gros comme ça, et après je récolte des... Oh! Je vais faire une ferme de culture de champilampe. C'est bon, laissez-moi... J'ai deviné. Oh, énorme! Et puis il y a du bois, des enfers. Oh là là! Je vais me perdre dans les limbes. Bon, alors attendez, je vais en récolter un peu. Je vais en récolter un peu. Il faut que je me fasse un gros labo. Dans la dimension normale, il faut que je me fasse un gros labo où je pourrais peut-être une partie complète de ma plateforme sur la mer des glaces. Où je pourrais en faire des trucs de fou, en fait. Alors, tu prends un bateau et tu descends et tu prendras aucun dégât. Pas un bateau, mais une barque. Ah, donc je regrette d'avoir jeté mon... Ah bon? Attends, tu prends un bateau. Mais attends, sur le sec, le bateau, tu peux pas te mouvoir. Ah, oh, il y a un truc qui m'échappe. Mais, ok, merci pour l'astuce. Mais... Ok. Oh, oh mon dieu, ah. Oh. Oh. Mais c'est vachement... C'est vaste. Ouch. Ouch. Oh. Je vais extraire un échantillon de cette matière. C'est quoi? C'est une tige carmin. Alors, il ne me dit pas élément nouveau. Ça voudrait dire que par le passé, j'en avais déjà extrait et je m'en souviens plus. Ce qui ne m'étonnerait absolument pas. Amnésie de ma part. Ça fait trop longtemps. Oh, je vais extraire des matières précieuses. Poussez-vous, les hommes cochons. Extraction. Oh là là. Et c'est devenu vachement intéressant, les enfers, dans Minecraft, dis donc. Mazette, c'était d'une pauvreté avant et je m'éclatais déjà dedans. Alors aujourd'hui, ça vaut vraiment le coup de se faire une journée complète de Minecraft rien que dans les enfers là. Là, je comprends maintenant. Là, j'ai envie de dire, c'est justifié. Ah, peut-être, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était de la lave en voyant mon truc de flamme. Je me fais peur tout seul. Vous inquiétez pas, c'est normal. Oh oui. Ah, oh, me regarde pas comme ça, avec ce regard lubrique. Je peux le dire, cochon. Elle est nulle. Elle ne fait rire que moi. Attends, mais il faut peut-être que je prenne un extrait de ça. Parce que c'est quoi ça? C'est de la nédérac ou pas? Ouais, c'est de la nédérac. Il faut que je revienne dans la dimension normale. Il faut que je teste un truc dans la dimension normale. Ça me titille trop intellectuellement là. Ah oui, merde, je m'étais fait allumer par un ghast. Prudence. Il y a encore les restes de son attaque. J'espère que je descends pas trop.
Ah oui, mon truc était là-bas. Mon nouveau jouet, image.png. Ah. Je suis ravi que ton nouveau jouet soit image.png. Évidemment, on voit pas, ça traduit pas les images. Mais je verrai dans le Discord après. Quand je ferai ma pause déjeuner tout à l'heure. Oh, on va déjà bientôt vers les midis. Alors, peu importe la surface, tu avanceras avec la barque. Sauf la lave, bien sûr. Tu m'étonnes. Nashelman dit à FunFan, j'ai un truc pour toi sur le Discord du sage. Oh. Ibi. Tant de mystères. Oula, attention, il faut que je me barre du truc. Ma montre. Qui se stabilise et qui me dit qu'on est la nuit. Alors, je sais pas si c'est dans la dimension normale ou pas. Ah, toi aussi tu es dans les enfers, parce que j'ai pu faire passer la nuit. J'ai toujours pas cherché d'ailleurs, en parlant de la nuit, à casser la règle, tous les joueurs doivent être dans un lit pour faire passer la nuit. J'aimerais faire la majorité plus un joueur, je trouve que ce serait beaucoup plus correct comme règle de jeu. Ça aussi, il faut pas que j'oublie. Où est-ce que je vais mener mon expérimentation? Peut-être en plein désert, ce serait peut-être plus intelligent de ma part. Pour pas prendre de risques, on va retourner près de la pyramide. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps... FunFan est mort de rire. Eh bien. Oula, j'ai entendu un bruit bizarre. Alors, je crois que c'est une bagnole qui passe devant chez moi, dans la rue. Mais la motorisation est très bizarre. Il m'a fait flipper. Je vais peut-être aller là-bas, ouais. Une bonne étendue de sable fin. Non, toi, va mourir. Enfin, plutôt, oublie-moi. Le zombie momifié avec l'os en main en guise de matraque. Ah mon dieu. Ici je vais... Ah oui, mais j'ai pas de poudre d'os. Enfin, ça se trouve assez rapidement, mais... Attendez, je vais faire mon expérimentation à ciel ouvert. Donc c'était un... Ce champignon-là... Ah merde, je peux pas le poser. Merde, c'est pas la bonne matière. Est-ce que je peux le poser sur le bois? Ça m'étonnerait. Encore que non, c'est un champignon. Non, ça marche pas. Ça marche pas. La champilampe. J'y crois encore moins. Ouais, voilà. Merde. C'est peut-être du sable des âmes qu'il faut. La terre classique, ça fonctionne pas. Je vais prendre le risque de poser le champignon. C'est là où je vais corrompre, je vais polluer tout l'environnement. Ah oui! Oh, la terre normale, ça fonctionne. D'accord. Alors attendez. Il faut que je mette la main sur des os. Je vais retourner dans ma planque, qui est toute proche. Et je vais prendre de la poudre d'os. Pour ceux qui connaissent pas Minecraft, les os réduits en poudre, c'est de l'engrais. Donc je vais délibérément précipiter la croissance du dit champignon en question. Et voir si ma théorie est juste. Oh, un chat sauvage. Oh, il a une belle robe. Bon, je vais arrêter de domestiquer tous les chats que je croise, hein, parce que... Si le serveur devient une chatterie à ciel ouvert, ça va être le bordel. Vous imaginez tous les jours d'entendre des miaou, 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 miaou. Ça va être la folie. Alors déjà, je vais ranger mon précieux butin dans un coffre vide. Voilà, je vais prendre celui-là. C'est totalement arbitraire. C'est juste que je veux pas traîner dans mes manips non plus. Je vais garder les champignons, là. Parce que si ma théorie est juste... C'est énorme. Je vais avoir un nouveau bloc à foison de lumière.
Je vais m'éclater, ça va m'inspirer pour faire des nouvelles structures. D'un point de vue architecte, voilà, des eaux. D'un point de vue architectural, ça va me relancer, on va dire. Déjà que j'ai plein de chantiers ouverts à droite à gauche, alors... Voilà, là encore j'ai quelques eaux. Oh, ça devrait suffire, je vais pas écumer tous les coffres non plus. Alors, on retourne dehors si j'arrive à ouvrir ma porte. J'avais une vache ici, moi. Ouais, bon, on va dire que c'est la magie Minecraft. Ah bah, j'ai carrément un couple. Je pourrais les faire se reproduire. J'ai pas souvenir de les avoir amenés délibérément dans ma planque. Peut-être qu'elles sont tombées, je sais pas. Sont promenées, puis elles sont tombées dans mon antre. Retour vers le dit champignon des enfants. Bonne nap, mon cher fun fan. Alors, je pense que je reste à l'antenne encore moi une bonne demi-heure. Et puis je ferai peut-être le relais chaîne après pour aller manger à mon tour. Merde, ça marche pas. Ah, c'était trop simple. Ou alors... Alors ne me dites rien. Là pour le coup, hein, je précise, ne me dites rien. Me divulguez pas s'il vous plaît. Il faut que je découvre par moi-même avec les raisonnements logiques. Il y a peut-être un engrais pour ce champignon. Mais qui n'est pas la poudre d'os. Oh mon dieu! Ce ne sera pas aujourd'hui que je vais le découvrir. Mais j'ouvrirai un labo et je ferai des tests. Enfin, un labo. D'ailleurs, j'ai déjà un labo en soi. Je pourrais vous le montrer, tiens. On va aller voir mon dit labo où j'avais déjà mis des échantillons des enfers. Mais j'avais déjà un champignon que j'avais posé. Tant pis, on y va à pied. C'est pas si loin que ça, en fait. Merde, je vois plus mon... Ça me rend nerveux de plus voir mon horloge. J'ai mal mis mon truc, attendez. Oulala. Voilà, là c'est normal. C'est ma disposition de barre d'action habituelle. Ça m'évite de me troubler. C'est bête, hein, mais c'est pour avoir les bons réflexes. Surtout que d'ailleurs, vous avez normalement vous avez les touches du clavier qui sont associées aux cases de la barre d'action de 1 à 9. Je me demande même si le 0 n'est pas accordé au bouclier pour le manipuler. Je suis moins sûr, mais bon, bref. Et ça a son importance aussi. Et puis, évidemment, défilement à la molette de la souris, vous voyez, je bascule d'un outil à l'autre. Instinctivement, pardon. C'est comme ça que je procède en jouant, pour passer d'un outil à un autre. Il est à l'autre bout, mon laboratoire. Il est pas loin. Il est près de là où l'enclos aux animaux. Aïe. En train de me faire mal. Ça va... Croyez-moi, ça va me titiller durant ma pause déjeuner tout à l'heure. Je vais... Pourquoi le mode dieu, la boutique, ne fonctionne plus depuis que j'ai modé le serveur hier ? Alors que le message s'inscrit, la commande s'exécute pas. Ça doit être un problème de droit. Ah oui, alors là, il y a eu un accident. J'ai foutu le feu dans cette bâtisse et du coup, j'ai refait le toit en pierre. Sauf les bords qui n'avaient pas cramé. Histoire de mélanger les goûts et les couleurs. Voilà, il est là, mon labo. C'est le gros bâtiment sans fenêtre. Voilà, donc j'ai pas encore mis, c'est le début, hein, je vais améliorer. Et voilà, vous voyez, ça c'est un labo, j'avais isolé mes premiers échantillons. Même le feu là, bleu, je sais pas... Voilà, là j'avais des échantillons à tester. Hop, là je remets les champignons. Et hop, on peut rentrer dedans, vous voyez. Ah, ça marche la culture de la liane. J'avais vu juste... J'avais vu juste, ça se récolte. Ça, c'est intéressant. Mais alors, si je trouve le moyen de cultiver les blocs lumineux, ça va être sans sas. Je vais faire des trucs de fou furieux. Merde, qu'est-ce que je fais? Oh, le con, n'importe quoi, moi. Je voulais interagir avec le feu, et puis j'ai... Non, je sais pas. C'est un feu mystérieux. Ouais, ça se plante sur le sable des âmes, c'est ça. La mémoire me revient.
Wally Walou, vous savez tout. Ah, c'est captivant. Je vous le dis, hein, pour une partie de Minecraft, c'est captivant de ne pas connaître le et chercher par soi-même les recettes. Vous voyez, la nouvelle version qui va être folle, la 1.20 qui va bientôt arriver, elle peut arriver quand elle le souhaite. Moi, j'ai pas fini de découvrir les précédentes nouveautés. Alors, ça démultiplie le plaisir de jeu, c'est la folie. C'est la folie. Ah. Et voilà, je t'ai pas laissé seul longtemps, mon petit épicurien. Et je suis déjà de l'autoul. Et bé. Bon. Ça m'a... Scoué est un bien grand terme, mais ça m'a pas laissé indifférent, la visite des enfers, là. C'est waouh. Si j'allais à la baie des tortues... On va faire mumuse avec le grand poulailler. Alors attention, je prends le risque de me barrer alors que... Pourquoi je sens comme une odeur de bouffe? Bizarre. C'est bizarre, parce que j'ai aucun plat à l'air libre. Je sens chez moi, ou alors c'est mon cerveau qui devient fou, là je commence à avoir faim. Et j'interprète mal certaines odeurs, mais j'ai l'impression de sentir comme un plat sorti du four, mais un plat de je sais pas quoi, comme des lasagnes ou je sais pas quoi. Bizarre. Mon cerveau me joue des tours. C'est quand même pas mon café. C'est pas l'odeur de mon café qui me trouble. Attendez. Je vais sniffer mon café. Ah, c'est peut-être mon café. Si. Il y a une odeur qui se dégage, qui correspond. Non, bah voilà, je commence à avoir faim et mon odorat s'est décuplé pour chercher la bouffe instinctivement. Non, il y a trop de monde. Ah, je vais me faire allumer. Le feu, allumer le feu. Oui, retard. Ah, parnation et café au lait. Oh, c'est mon cheval favori, café au lait, je l'adore. Oh, il est beau, il me fait des papouilles. Non, je voulais pas t'attacher, je voulais ranger la laisse. Et qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh là là, c'est le bordel. Oh, il y a même des... Oh, bateau sur pattes. Ok. Je crois que t'as chevauché la dite bestiole pour... sur les lacs de lave, je me trompe. Allez, hop, range ta corde, épicurien. Burp. Ah, balançons des œufs dans le désert pour cueillir des poules tout partout et que ce soit le foutoir dans le futur. Alors, le poulailler. Mon poulailler géant. Effectivement, on va y aller et... Alors, ligne 9. Ouais. Je m'attendais à une meilleure récolte, là. J'en ai récolté, quoi, 5? Ah! Il faut chercher derrière les piliers. Wep, me dit Nashman. Ah, oui, j'ai entendu le bruit de l'ovulation. Le bruit de la ponte. Enfin, l'idée était là, mais bref. Version poule. Oh merde! Il a pas explosé, j'ai eu chaud. Ah, on va tenter d'avoir un disque. Attends. Merde, j'ai merdé. On va pas avoir de disque. Par contre, on va avoir un mort! Merdoum, ça y est, tout le monde m'attaque. Tu verras sur Discord, j'ai ajouté une nouvelle personnalité à ma
bande de créatures. Ouh, ouh, la manière dont tu annonces, waouh. Je sens que je vais avoir des surprises à ma pause déjeuner, quelque chose de bien. Ah, ma vessie commence à me travailler. À mon avis, je crois que je vais vous abandonner avec un relais de chaîne dès midi et demi. Et puis je reviendrai en début d'après-midi, je sais pas, on va dire aux environs de 14h, je sais pas. Oui, non, les graines, moi j'en ai des graines. Tu penses bien, pardon. Excusez-moi, tu penses bien que j'en ai, Torota. C'est les premiers trucs que tu récoltes quand tu démarres une partie pour survivre au niveau de la bouffe et faire de l'agriculture. Les sacro-saintes graines. Bon, on va faire un petit dodo à l'auberge. C'est pas comme si j'avais bâti une auberge ici. La petite auberge. La di da di da. M'en fous, je dors la porte ouverte. Oh. Je peux admirer les ennemis sans qu'ils puissent m'atteindre. Attendez, on va inspecter les bois. Le petit bois, là, dans le désert. J'essaye de végétaliser tout ça. Enfin, en même temps, c'est un endroit de repique de bois, vous l'aurez compris. Non, mais je rêve, il n'y a pas un ennemi. Bah, il y en avait plein de tout à l'heure, ils sont tous barrés. Ah bah, elle est pas mal, celle-là. Ah, plus rien. La plage en pleine nuit est vierge de tout ennemi. Il n'y a plus d'ours blancs. Les ours blancs, la banquise. Oh, bah, tout le monde s'est barré là ou quoi? Eh, ça m'épate, vraiment. Attendez, balcon. Oh, lui, il est toujours là, il m'agace. Oh, c'est plus la baie aux tortues, mais la baie aux araignées. Oui, mais c'est vrai, ça. Bah, les tortues, elles sont où? Les tortues sont barrées. Non, pas la plage aux creepers. Là, il y a un trou mystérieux. Attends. Bah, merde, alors. J'étais tellement... Oui, bon app, Nashem Man. Je vois que tu vas aller manger. Mais... Puis t'as ta journée longue. Bonne journée à toi, Nashem Man. Merci à toi d'avoir joué. Il y avait deux tortues disparues. Oh non, l'autre, il me vise déjà avec son arc. Oh, puis lui, il va mourir. J'en ai marre de le voir sous le balcon. Merde, j'ai dégommé le balcon. Oh, le con. J'ai donné un mauvais coup. Merdoum. Ah, saleté d'Underman, va mourir. Va mourir. Je veux plus te voir, m'en fous. Belle monstre. Ah, ah non, il s'est... Aïe. Voilà, il est mort. Ah non, j'en avais marre d'avoir un Underman sur le balcon. Oui, bon app, merci Nashem Man. Bon samedi à toi, et puis à demain. Demain, promis, on fait tous ensemble du mini-golf. Ce sera cool. Ta-ta-ta-ta. Oh. Ah, bon. La plateforme, on va... Eh, ça doit faire... Sans déconner, ça doit faire peut-être un mois que je suis pas retourné sur la plateforme. Je m'en souviens plus. La dernière fois que j'avais diffusé du Minecraft sur mon antenne, ça remonte à quand? Ça remonte au mois de janvier. Hein. C'est la bande à Basile. Oups. Ha! Ils sont pas mal de dos. Ils sont rigolos. Ça remonte à la mi-janvier, la dernière fois que j'ai fait du Minecraft sur mon antenne. Qui c'est qui me gangbang? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est lui. Ah, et puis là où il est bien placé, le salopard. Je peux pas l'atteindre, il y a les barrières. C'est ça, va mourir au soleil. Au soleil. Ta-da-da-da-da. Non, le creeper. Non, tu rêves. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh là là, c'est le boxon. Le fourbe, le traître, l'ennemi félon. Me souviens plus. Mais c'était pas pour le sapin de Noël la dernière fois qu'on était sur la plateforme. Si, je crois. Hein.
C'était le Minecraft dit de Noël. Ça remonte au déluge. Ouais. Je suis rassuré. Voilà pourquoi j'ai appelé l'endroit la baie aux tortues. C'est juste que par rapport à mon balcon, j'étais trop loin en distance d'affichage. Ça me rassure. Ou alors elles reviennent quand il fait jour. Possible, je sais pas. Ah, on voit là-bas, on voit une partie de la pyramide piégée. Il y a Dragon Sky qui était tombé dedans. Je lui ai déployé la grande échelle comme les pompiers, c'était rigolo. Alors évidemment, il s'en est sorti depuis, mais il m'a bien fait rigoler le soir, là. Sacré Dragon Sky. Qu'on salue, comme Bastos, il devait être en train de bosser au moment où on s'amuse, comme des petits fous. Oui, non, c'est la respiration que j'avais pu. Ah, les os de la banquise, on les a vus. Je vais pas m'approcher trop près. Hein. J'ai pas envie de me faire déboîter par un ours. Excusez-moi du peu. Une petite nage dans les eaux glacées, tout va bien. Oh, les icebergs. Vache. Ah, la civilisation en pleine mer de glace. Alors, en fait, j'essaie de bousiller ça va se faire à long terme, hein, vu tout ce qu'il y a. Je vais bousiller tous les icebergs ici. Vous inquiétez pas, hein, il y a d'autres mers de glace ailleurs. Mais j'aimais pas voir la mer de glace proche de la plage. J'aime pas quand il y a le mauvais mélange des biomes chaud-froid à l'extrême d'un côté et de l'autre. Du coup, je réinvestis, je m'accapare les lieux. Et j'en fais une super ville ici. Dans les années à venir, je pense qu'on peut vraiment compter en années. Là, c'est le centre communautaire, où tous les joueurs peuvent se retrouver et se donner du matos, du conseil. À terme, ce sera une mégalopole. Il y aura peut-être des gratte-ciel, il y aura plein de bâtiments. Et je pense presque, j'ai bien presque recouvrir toute la mer de glace. Oh, c'est le sapin de Noël. Avouez-le, vous aussi, vous aura manqué le sapin de Noël. Il est tout beau. Oui, il y a des monstres sous mes pieds. On entend des gémissements. Alors, une fois que je suis ici, je vais peut-être déjà ranger mon bazar dans un coffre. Puisque là, on est à côté d'une réserve. C'est le bâtiment mauve. Je vais tout ranger dans les coffres. En vrac, hein. Je vais pas prendre le temps de trier. Ah, non, on m'a rien déposé. Ouais. Parce que à la surface, dans la rue, il y a un goulot, là, façon égout, qui permet de déposer en vrac ce dont on souhaite se débarrasser. Et du coup, c'est le coffre de récupération que vous avez vu. Voilà, et ça c'est mon chez moi, mais je pense que tous ceux qui êtes présents, peut-être excepté, pardon, j'ai oublié son prénom, oui, il est parti depuis, je pense qu'il est parti en pause déjeuner, j'aurais pu expliquer au petit nouveau, mais il est parti, c'est pas grave. On aura d'autres occasions, mais merci à lui d'avoir fait acte de fidélité. Kevin, je crois. J'essaie de faire fonctionner ma mémoire. Alors, je vais sauvegarder là, hop, au niveau du lit. Tac, bon, c'est pas le jour, mais ça permet de définir le point de réapparition. Et j'ai pas des disques là. J'ai des trésors dans mon coffre de... Ça aussi, cœur de la mer, je sais pas. J'ai trouvé ça dans un coffre, une chasse au trésor au bord de la plage. Mais je sais pas à quoi. C'est rare, hein, le cœur de la mer. Mon avis, c'est un truc... En plus, c'est annoncé en jaune. Bon, la pomme dorée, c'est encore autre chose. Mais c'est des trucs rares et... c'est encore un gros mystère pour moi. Moi, je connaissais pas. Ah, pardon, Torota. Mais oui, tu fais bien de me le dire. Donc, mon chez-moi... Le petit coin cosy, avec un petit fumoir, c'est le seul fumoir que j'ai déployé en ce moment dans le monde. Et je m'amuse à... Bah, le poisson que je récolte tout proche, tu vois, je le cuis et je le range là.
Je vais te faire une petite démonstration rapide, Torota, puis on va se quitter là-dessus. Donc ça, c'est ma piole, voilà, avec lecteur de disque. Le grand confort. Et l'étage inférieur, bah, qui petit à petit va être aménagé. Bon, là, j'ai le perchoir de fêtard, que j'ai trouvé dans une jungle pas très loin, que j'ai pu domestiquer. Ça a été une belle aventure le temps d'un soir, fêtard, le temps de le ramener sur la... C'est le problème du perroquet, c'est qu'il faut le faire traverser les eaux. Et il est pas toujours en vol, il s'épuise assez rapidement. Donc ça a été sport de le ramener sain et sauf sur la plateforme. Bon là j'ai mon armoire où je range différents trucs. Bon, voilà quoi. Un petit lieu de vie. Là aussi sous l'escalier, j'ai mes petits tonneaux pour mes trucs précieux. Je me souvenais pas que j'avais autant de bois, c'est bien. C'est pas perdu. Et en face, il y a la bibliothèque municipale. Qu'on va aller revisiter avec des titres. Évidemment, on s'est lâché. On a rigolé, on a mis des âneries. Merde, je suis trop près. Bande dessinée, manga, waifu. Voilà, voilà. Là, je sais plus ce que j'ai mis. Ah, c'est la science. Ici, c'est les romans et essais. Oh, magnifique. Bon, la table d'enchantement. Indispensable. Surtout en ces lieux. Petit pupitre de lecture. Et il y a un étage. Ou voilà, pour le plaisir de déambuler, il y a d'autres thèmes, la cuisine, les divers ouvrages. Là, il y a le sport, pratiques diverses, philosophie, sciences politiques et humaines. Ici, il y a les arts, musique, dessin, on imagine, évidemment. Tu as une barque pas loin à prendre, je vais te faire rigoler un peu. Oui, il y a une barque pas loin, comme on est en milieu à queue, on peut le dire. Et là, je planque dans ce coffre, regardez la subtilité de ce coffre, où je planque les œuvres précieuses. J'y arrive plus. Ah oui, c'est parce que j'ai le bouclier en main. J'ai voulu que le bouclier fait suer. Et j'y arrive plus. Merde, ça marche plus mon truc. Bref, dans ce coffre était planqué. Faut que je repense au système, ça va pas, mon machin. C'est pas au point. J'ai un bouquin que j'ai écrit. Je sais même plus ce que j'ai mis dedans. Bien fait pour ma tronche. Et voilà. Et là, il y a les combles de la bibliothèque. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, j'exploiterai les combles. C'est anecdotique. Alors, tu me dis que j'ai une barque. Tu vas me faire rigoler un peu. Alors, je continue la visite. Tu sais, le temps que la nuit arrive... Je vais provoquer le jour après en étant dans un plumard. Et juste après, on fait ta barque, promis. Et on va peut-être se quitter là-dessus, parce qu'il est déjà quasiment midi 20 et quelques. Ça me laissera le temps de vous saluer, de vous remercier, et puis de vous donner rendez-vous après la pause déjeuner. Oh, je pense que je vais vous dire que je vais revenir pour 14h. Ça me laisserait le temps, moi, de souffler. On n'est pas là non plus pour courir, hein, vous l'aurez compris. Ah, maison en construction. Ah oui, j'ai du matos dedans quand même. Puis je vais peut-être solutionner le problème dans Minecraft entre midi et 2 là. Ça me démange. Vous avez pas idée comme ça me démange et que je suis intrigué que ce soit cassé. Voilà, petite maison bien jolie. Et puis il me reste à faire voilà, les étages supérieurs. Oui, j'ai deux barques. Bon, je pense que le coloris n'a absolument aucune importance dans la démonstration que tu vas me faire faire, mon cher Torota. C'est beau, capture d'écran, album photo. Ah, c'est beau, c'est beau. Elle est pas mal la musique. Le plumard. Voilà. Alors, rassure-moi, j'espère que ta démonstration avec la barque ne risque pas de me tuer. Parce que je tiens à rappeler que j'ai un niveau 29 d'expérience. Oh, je vais faire le fou. Je suis fou! Ah, j'ai réussi mon saut. Oh, j'avais oublié que j'avais un cheval ici. Mais vas-y, j'écoute tes instructions, Torota. Vas-y, je t'invite à saisir dans le chat, s'il te plaît. Ah oui, Thanatos. Il a un seul caractère. C'est pour ça que je l'ai baptisé Thanatos, parce que... il est casse-bonbon. C'est un teigneux.
Ça parle mal. Ouais, je bois un coup et je m'apprête à te lire. Non, ça me tuera pas. Ok, vas-y. Mince. Hop là. Bon. Vu à la troisième personne. Coucou. Ah, on pourrait faire une photo là aussi. Je vais déjà m'extraire de là où je suis parce que je suis coincé dans les glaces. Oula, c'est un Enderman qui a dû déplacer un bloc de terre. Ça fait idiot. Faudra que je repique mes arbres sur la plateforme là pour faire tourner le bois. On a vu que j'en avais pas mal, mais ah bah tiens, j'ai encore une barque là. Oh là, c'est la folie. On va se quitter sur la géode. Un peu plus loin, c'est vrai que j'ai une géode que j'ai aménagée. J'avais complètement oublié l'existence de la géode. Aquatique. Alors, prends une barque et tu la poseras sur la glace, pas loin d'un ours. Tu vas ramer vers l'ours et tu verras ce qui va se produire. Bonjour, Dragon Sky. J'espère que tu vas bien, Dragon Sky. Alors, attends, il faut que je prenne une barque et que j'aille près d'un ours en étant dans la barque. Alors, attends. Merde, du coup, j'ai plus de quai. je peux plus remonter, là, je crois. Bien fait pour ma gueule. Je suis un idiot. Oh là, hey, j'ai mis des barques partout. Attendez, hop, je vais faire de la nage. Je nage. Oh, les beaux saumons, on a vu en bas. Il y avait des saumons. Merde. Non, je peux pas remonter. Voilà, attends, je suis dans la barque et je... Voilà. Oh, merde. Pardon, il y a 1 million de creepers, là. Oh non, il y a une araignée translucide. Vous l'avez vu, cette monstruosité? Ah, c'est une araignée rare. Bon, elle est pas plus dangereuse que ça, mais... À part le fait qu'on la voit pas. Oui, comment tu vas, Dragon Sky? Alors, t'arrives au moment où je m'apprête à rendre mon antenne. 1, j'ai la vessie qui commence à me peser. 2, j'ai faim. Donc, pour info, je reprendrai mon antenne vers, on va dire, 14h. Ouais, c'est bien. C'est bien. Par contre, je sais pas sur quoi on va démarrer le début d'après-midi. J'ai pas réfléchi au jeu. On verra le moment venu. Du coup, ce sera pas le mini-golf, puisque Nashevman nous rejoindra pour le mini-golf que demain. Attends, les ours se sont barrés entre-temps. Où sont les ours? Où sont les ours? Alors, je me mets en barque. Ok. Je me mets dedans. Ah oui! D'accord. Et quoi? Attends, tu prends une barque et tu le poseras sur la glace pas loin d'un ours. Tu vas ramer vers l'ours et tu verras ce qui va se passer. Déjà, c'est beau. C'est la première fois que j'approche les ours d'aussi près. Ouh là là, comment qu'il me regarde, lui? Oui, bah, il se passe pas grand-chose. Je comprends pas. Oui, l'appétit, ça creuse, ouais, tu m'étonnes. Je vais surtout les agacer, je crois. Je les ai mis dans les eaux glacées. Je savais même pas qu'on pouvait faire de la barque... Putain, ça fait luge. Oh, ça fait bobsleigh, le truc. Wouah. Aïe, je rentre dedans, c'est... Oh mon dieu. Wouah. Et c'est impossible de diriger le truc, c'est trop aléatoire. Mais c'est réaliste en même temps. Merde, ça y est, je suis dans l'eau. Chinapot Nawak. Tu vas ramer vers l'ours. Attends, je rame vers l'ours. Je rentre dedans, pardon. Voilà, ça fait peur. Bon, j'ai pas compris, Torota. Ou alors il y a un truc qui m'échappe dans ta démonstration. À monter dans la barque? Bah, si je laisse le... Si je tends la barque vers l'ours, ça marche peut-être.
Non, bah la barre glisse. Je suis désolé, la démonstration a merdé. Non, par contre, ce que je veux vous montrer avant qu'on se quitte, c'est la géode. J'avais complètement oublié l'existence de la géode. Je vais essayer de rejoindre la barque à l'opposé, là. J'ai changé de souris, nous dit Dragon Sky. J'ai une souris ergonomique, car ça me faisait mal avec l'ancienne. Ouais, bah tu fais bien. Tu fais bien, ouais. Faut pas se bousiller l'organisme avec ça. Bien joué de ta part, Dragon Sky. Oui, oh, c'est rien, Torota. Au moins, on aura essayé quelque chose, mais c'est un échec. Ah là 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 là. La géode. Tiens, attends. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Parce que là, il y a un nouveau groupement d'ours. Non, il n'y a rien. Yakepuik. Hop là, barque. Alors, la géode, elle est quelque part par là-bas. Je sais plus où exactement. Je crois que c'est la direction à prendre. Parce que j'ai aménagé un édifice. Voilà, on le voit. En fait, au niveau du relief minecraftien, on va dire, il y avait une géode qui était posée à peine engloutie, proche de la surface. Et je m'étais promené, voilà, je naviguais en barque, et je l'ai repéré. Je dis, waouh, voilà, voyez, c'est trop bizarre. Et du coup, j'ai aménagé un endroit exprès pour pouvoir voir dans la géode. C'est juste trop classe. J'avais fait ça en novembre dernier, je crois. Ah, j'ai des éléments de construction, j'ai un lit, voilà. L'authentique géode engloutie. Et hop, tu passes dans le... Là, c'est beau déjà, tu vois, sous l'océan. Et tu vois, dans la géode. Tadam ! C'est la classe, quand même. Et puis, avec une... Alors là, on voit que j'étais pas dans le secteur depuis longtemps, parce que les cristaux sont tout petits. Mais il va y avoir une croissance du cristal. Et après, avec une pioche fortune 3, on merde. Au moment où je vais rendre l'antenne. Bonjour, petit Seb. Merci pour l'aide chaîne. Au moment où je fais une dernière démonstration, j'y tiens, après, je vais rendre l'antenne. Ah, puis Dragon Skin qui rejoint la partie. Ouh là là. Ah, mince, ça me facilite pas la vie, Dragon Skin, tu te connectes. Enfin, joue, vas-y, t'as raison. Parce que... Coucou, oui, Dragon Sky. Parce que j'étais tenté de faire des tests à midi et voir pourquoi le mode dieu fonctionne pas. C'est pas grave, ça pourra attendre. Bonjour, petit Seb Live. Déjà, merci, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton relais de chaîne. Bonjour à ton public, à tes spectateurs. Voilà. C'est le charme, c'est la magie de Twitch. Bon, on va jouer un peu les prolongations, c'est du coup. C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Ouais, ça va. Bienvenue. C'est cool. Bienvenue. Bah, nous, dans l'ensemble, on va bien. Moi, le premier. À part que j'ai une nuit courte parce que j'ai mal digéré mon dîner. Je sais pas pourquoi. Bon, je pense pas que le manque de sommeil me cause préjudice aujourd'hui. Enfin, du moins, j'espère pas, parce que ce soir, je suis censé... Enfin, ce soir, en fin de journée, je suis censé guider FunFan. Ah, dans le labyrinthe. Enfin, vous verrez le moment venu. Ça se passera, en gros, de 17h à 20h, je crois, si je me trompe pas. Eh, hey, c'est pas mal. Je vais dormir ici le temps de la nuit, là. Je sais pas si Dragon Sky s'approche d'un plumard. Ouais, c'est l'heure du repas. Oh, je peux rester un petit quart d'heure de plus, bah, on va dire symboliquement. Puis Dragon Sky vient de se connecter. D'ailleurs, t'es dans quel secteur, Dragon Sky, si tu m'écoutes? Dans la carte Minecraft, t'es où? Ah oui, non, pardon. C'est vrai que t'as encore du mal à te... Ah, t'étais coincé dans le désert, la pyramide. Ce que je disais tout à l'heure. Et on était passé devant. Parce que du coup, j'allais dire, symboliquement, on a pu rigoler et se rejoindre.
Ça te dit. Parce que, c'est vrai que ça devient large, hein, on s'étend mois après mois dans la carte. On prend des largesses, des distances. D'ailleurs, je vais bientôt mettre en place un nouveau rail de circulation, mais qui va être bien pensé pour qu'on trace en ligne droite du point A au point B. Il va falloir que je cible bien l'axe et ça va être énorme. On n'est pas obligé d'aller en plus mort dans Gunsky. Je me suis posé là, mais c'est comme tu le sens. Ah si, t'es posé. Bon, bah alors on passe la nuit. Pas de problème. Donc voilà, je vous ai montré la géode. On va retourner à la plateforme, de facto, en espérant que je prenne le bon axe. Tu es chez moi. Ok, donc je t'annonce que je suis à l'opposé. Ce qui est cool pour les spectateurs de Petit Seb Live qui viennent d'arriver. Merci à vous d'être là. Bah, du coup, vous allez visiter en version idéale éclair ma carte. Enfin, notre carte, puisqu'on est plusieurs à jouer dessus. De bout en bout. Donc, c'est bien, je vais pouvoir en un quart d'heure vous en mettre plein la vue. Le temps de revenir à l'opposé dans mon chez moi d'origine. Histoire de saluer Dragon Sky. J'aurais peut-être pas dû quitter ma barque, moi. Ou je vais faire l'autre partie à la nage. Non! Ah bah non, j'allais dire, non, c'est moche. Je vais pas le faire en souterrain, dans le rail, parce que c'est dégueulasse, c'est pas drôle. C'est... Non, non, je vais rester à la surface. J'ai certainement pas prendre le cheval dans la mer des glaces. D'ailleurs, je sais même plus comment il était arrivé, lui. C'est... Brrr. Je veux même plus me souvenir. C'est trop bizarre d'avoir un cheval ici. Oui, bah je vais y aller à la nage. Allez hop, dans les eaux glacées. Bon app pour ceux qui passent à table. Bon appétit, bon appétit. Wow, il y a des formations rocheuses, c'est trop bizarre. Vite, attention, je vais mourir noyé, moi, avec mes âneries. Je reprends mon oxygène. Apnée, apnée, on repart. On repart. Do the go. Burp. Ouais, non, le coup de la barque avec l'ours, je sais pas. Je vais peut-être le refaire, mais ça a merdé la théorie de... Ah, peut-être quand il est dans l'eau. T'avais dit sur la glace, mais c'est peut-être dans l'eau, non? Non. Oui, là, l'ours était presque sur moi, là, pour le coup. Enfin, bon, bref. Ceci n'a plus aucun intérêt, c'est nimp. Je navigue comment, moi, avec ma barque? Parce que tous ces icebergs... Il faudra vraiment que je les bousille, les icebergs, parce que... Voilà, on retrouve la baie aux tortues. Bonjour les tortues. Coucou. Elles sont mignonnes. Le petit couple de tortues, peinard pépouze. Alors, ah oui, je voulais voir, il y a un trou bizarre ici. Il y a un trou qui est trop bizarre, je me souviens plus. Ah ouais. Oh la vache. Ah les ténèbres toi. Ah non, pas tant ténèbres que ça, il y a un fond. Ah, intéressant. Il y a une cavité au milieu des eaux qui est... Oh, c'est vraiment intéressant. Ouais, que j'aménage l'entrée. Tiens. Ça fera un accès quasi naturel alors que j'en ai un tout proche. Pour aller dans les souterrains. Vous allez le voir, il est là. Voilà. Là, on peut descendre dans les sous-sols pour miner. J'ai quelque chose dans les fours. Ah non, j'ai plus rien. Voilà, j'ai que puik. Allez, je vais prendre café au lait. Ça fait... Oh, merde, j'ai failli me plaquer au sol. Café au lait, café au lait. Oh, ça fait trop longtemps. C'est mon cheval favori, café au lait. Allez, dada. Alors là, ouvrez bien grand les yeux pour ceux qui connaissent pas la carte. Parce qu'on va la traverser en version éclair. Bonjour Edge, comment vas-tu? Merci à toi d'être là. Avec le petit cœur mis à la Saint-Valentin. C'est vrai en plus, je l'ai fait le soir de la Saint-Valentin dans un coup de tête. En disant tiens, ce serait trop mimi qu'il y ait un cœur qui apparaisse quelque part sur la carte. Eh, pas mal hein. J'aurais pas à dire. Il est proportionné, il est correct. Hein. Je m'auto-congratule. Tout va bien.
Là, là, là. Il y a la bergerie aussi. On l'a pas trop vue aujourd'hui, la bergerie, mais j'ai mis Moutmout à tondre là-dedans, là. C'est donc la cage à lapin, vous avez vu. La pyramide, vous avez vu. Ouais, ça va bien. Bon, c'est cool. Aïe, je redétends mes jambes parce que j'ai mal. Alors là, alors c'est une bifurcation, mais il n'y a rien au bout encore. Mais plus tard, il y a des bois, il y a des trucs à explorer. Ce sera une voie de circulation principale plus tard. Il y aura des choses à développer dans cet axe routier futur. Ça, c'est une de mes nombreuses demeures. C'est n'importe quoi, on dirait un patchwork architectural. Je vous avouerai que c'est la demeure que j'aime le moins. C'est la plus brouillonne. Alors, accessoirement, c'est la plus grande. Donc, si je me rattrape dans l'aménagement intérieur, ce sera bien. Mais, voilà, quoi. Ah, soupir! Ouais, il y avait mon labo qu'on a vu tout à l'heure. Le joli pont qui traverse la carrière. Ça fait longtemps que j'ai pas creusé ma carrière là. Bientôt, il n'y aura plus de sable. On va vraiment attaquer la roche. Ça va être très intéressant et dangereux. Mais bon. Ah là 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 là. Pépépépépé. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hop, petit coin de pêche. Oh! Mon Dieu, tu m'as fait peur. Bonjour Dragon Sky, tu m'as foutu des jetons. Ah, bah tiens, oui, j'allais montrer le coin pêche. Avec le quai. Voilà, petit emplacement, tu pêches peinard ici. Bon là, lancer la ligne, il faut la lancer en biais, hein, parce que... Ah, quoi, tu veux essayer de monter Café au lait, si tu veux? Vas-y. Merde, je suis tombé. Le mec, il sait... Faudra que je sécurise les lieux. Je viens de tomber comme un caca. En sortant de cheval. Tiens, c'est pas mal comme la tour, enfin les deux tours, celle de Nayonek est derrière, panoramique. C'est rigolo. Oh, bah oui, il veut brouter café au lait, normal. Il y a de l'herbe fraîche. On pourra rejoindre votre serveur ou pas? Oui, tu peux, Torota. Il faut que je te mette en liste de blanche. Promis, je fais ça à midi. Je te fais ça à midi. Je te contacte par message privé tout à l'heure, Torota, et je te donnerai l'adresse que tu puisses te connecter. Alors, je filtre, hein, il y a une liste blanche. Je filtre les entrées pour qu'il n'y ait pas de troubles faites. Mais évidemment, Torota, je te fais complètement confiance. Donc, je t'ouvrirai les accès, puis tu pourras te promener quand tu veux. Excusez-moi. Sacré le Sky. Tiens, je prends en photo. Oh, lunettes télescopiques. Montre-moi tes beaux yeux. Oh. C'est n'importe quoi. Mon pauvre, je t'aurais tout fait. Comme les autres. Allez, café au lait. Youhou. Bah du coup, et je rentre dans ma maison. Tu m'as donné envie de revenir dans ma maison d'origine, Dragon Sky. Eh, ce serait stylé. D'ailleurs, ça pourrait être vachement romantique. De pouvoir embarquer un deuxième joueur à cheval. Ce serait beau. Ce serait beau, mais ça marche pas. C'est une armure enchantée? Oui. Je dis oui. Merde, je sais plus comment j'écris. Oui. Il visite. Ouais, t'as raison. Continue la visite Dragon Sky. Ça, c'est ma Siri. Voilà, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. J'ai pas mal de zones où j'essaye de repiquer le bois, parce que c'est vrai que c'est une ressource, c'est magnifique d'avoir différentes essences de bois. C'est un régal. Donc, je déborde. Hein. Y a pas vraiment, elle n'est pas vraiment délimitée, ma Siri. Élargis ta Siri. Là où il y a du bois, tu coupes. Et tu repiques. On replante. Voilà, là, on a les piliers escaliers pour descendre. Là, on est chez Nayonet, qui fait des trucs très béton, mais moderne. J'aime bien. C'est un style. Là, c'est une maison spéciale commune aussi, mais elle n'a pas encore de fonctionnalité. Pas encore. À terme, elle en aura. Ce sera pour mieux accueillir les nouveaux arrivants, comme va y avoir bientôt Torota. Mais là, c'est pas encore fonctionnel. Là, parce que c'est ici le point d'origine. La première fois que vous vous connectez, voilà. Vous arrivez dans la zone là, que j'appelle la presqu'île de la Reinette. D'où la statue au loin. Attends, je sais pas si on voit la statue d'ici. Là, voilà. La statue de la Reinette.
Parce qu'on dirait une... Il y avait pas mal de citrouilles au début, quand c'était naturel. Et le fait que c'était clairsemé, les citrouilles... Là, c'est la belle maison de Christella. Elle est magnifique, sa maison sur Piloti. Et comme il y avait pas mal de citrouilles, là, j'ai l'impression de voir la texture, vous savez, des crapauds. Bien vert, mais avec des petits points orange à droite à gauche. Et du coup, je dis, tiens, je vais appeler ça, comme on est en bord de mer, je vais appeler ça la presqu'île dite de l'Arénette. D'où la statue et le nom. Voilà. Ça, c'est le phare qui n'est pas achevé. Le cheval. Le phare, il lui manque des éléments de construction. Tous les mois, je dis, je vais finir le phare. Surtout qu'il reste plus grand-chose. Eh ben non, j'ai toujours pas... Oui, c'est pour les nouveaux, le point zéro, ouais. C'est... En fait, ça correspond presque aux coordonnées 0,0, là. On est presque à 0,0 sur la carte. J'ai dit presque, hein. Mais voilà, c'est le point d'origine. Oh, c'est beau. Photo. Capture d'écran. Wally Walou. On a fait le tour. Oh là, oui, déjà moi le cas. Le sage qui nous fait un remake de l'Amazonie. L'Amazonie. Eh oui. Hop. Voilà. Oh, il va être content de retrouver ses congénères. Ouh. Ça fait longtemps qu'il est... Gripoil aussi. Gripoil. Merci pour le nom, hein, Edgy Club. En référence au Seigneur des Anneaux. Que je ne connais pas, parce que c'est pas ma cam, mais... Lovelal, le fameux Gripoil. Et là, on a... Ah, c'est le cheval du cousin qui n'a pas de nom. C'est mon chat au-dessus qu'on entend. Ça fait peur, la stalactite. Ça fait flipper. Je vais la laisser parce que ça casse le côté lisse du dessous de la baraque. Mais là aussi, c'est pas mal. Petite capture d'écran parce que là aussi, c'est beau. Voilà ma première demeure que j'avais bâtie avec mon cousin. Première demeure quand le serveur était encore que familial. Et maintenant, il est ouvert, voilà, avec vous. J'ai le plaisir de jouer avec vous tous. Depuis que je suis lancé dans l'aventure Twitch, il y a plus d'un an maintenant. Et voilà. Donc, Torota, je m'engage. Là, je vais faire mon miam. Je vais faire un relais de chaîne. Et pendant ma pause déjeuner, je reviendrai à partir de 14h. Je pense qu'à 14h, je serai sorti de table. Ce sera bon. Et donc, je t'envoierai un message privé, Torota, message privé Twitch, je cherchais le nom de la plateforme. Je vais manger à cet après-midi. Bon app, à cet après-midi, Christella. Bon app, tout le monde. Merci. Discord, si, je sais pas si t'es intéressé de rejoindre mon Discord, Torota, n'hésite pas. Tu fais point d'exclamation Discord. Et j'ai croisé un Underman, dit Dragon Sky, dans la tour d'observation. Oups. Je déco, bon jeu, virgule, je miam, à plus. Voilà. Bon jeu à toi, je miam. J'ai faim, mangez. Je vais peut-être jouer un petit peu en off, peut-être, je sais pas, je vais voir avant de reprendre à 14 ans, on verra. Voilà, pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, voilà, merci Torota, tu l'as fait. T'es le bienvenu, n'hésite pas. Comme ça, tu auras accès à plein de trucs et puis tu auras accès aux fonctionnalités de Minecraft, tout le bazar que j'ai programmé. Alors déjà, un grand merci à Petit Seb Live qui a eu la gentillesse de me faire encore un énième relais de chaîne avec ses spectateurs, c'est très gentil. Tiens, d'ailleurs, tu mérites que je te fasse ta pub et c'est bien normal, mon cher Petit Seb. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés par la chaîne de Petit Seb Live, c'est quoi ta description? Ouh, elle est minimaliste. Elle est pas renseignée. Ah, t'as pas mis de descriptif. Oh. Bon, je sais que tu fais dans le jeu vidéo, mais peut-être pas que. Voilà, pour les curieux, n'hésitez pas à aller voir Petit Seb Live. Oui, n'hésite pas à rejoindre Torota, j'ai grand plaisir Minecraft, à t'accueillir. Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions d'exemplaires. Et le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg, émoticône souriant. Lorsque le jeu est diffusé, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique pour provoquer des événements en direct. Il n'est pas nécessaire que vous possédiez Minecraft afin de pimenter notre aventure. C'est cassé, mais je vais réparer la boutique, ouais.
Oui, donc voilà, t'as même l'adresse, tu vois, lsdn.craft.fvg. Merci Twinsen, même moi j'oublie mes propres commandes. Heureusement que vous êtes là, c'est ça qui est génial. C'est enivrant le côté. Là, c'est le côté très positif de Twitch, c'est quand vous avez la communauté qui s'accapare vos idées et vos outils et qui bosse à votre place. C'est super agréable. Faut pas se le cacher. Merde, c'est pas la bonne vue, là, vous me voyez en tout petit, en. J'aurais dû tout de suite passer en mode ma tronche en 16/9. Non, 4 tiers en plus, c'est faux, j'ai menti. Puisque vous avez le chat sur le côté. Donc merci petit Seb Live pour le relais de chaîne que je vous remercie poliment. Bah, d'ailleurs, il faut que j'lance mon navigateur, je l'avais fermé. De facto, que je vois mon historique de chaîne et que je puisse éviter de débiter des âneries. S'il veut bien s'activer, voilà le bon anglais. Historique de chaîne, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Parce que j'étais complètement accaparé à mon jeu de dégommage de vilain. Il y a Kevin, voilà, merci Kevin, c'était bien ça son prénom qui m'a suivi tout à l'heure. Merci à lui pour la fidélité, et puis voilà, merci petit Seb Live. Alors, la question suivante est... mince, mon Dieu, j'ai une rediffusion qui s'est lancée. Chez qui? Oh, j'ai quasiment personne. Ah, il y a Blipoland qui fait du... Ou il y a Nounours. Ah, Nounours, il est célèbre. Nounours, voilà, c'est rare quand je lui ai fait un coucou, j'avoue. Mais Blipoland, il est moins connu. Je vais vous envoyer chez Blipoland si vous ne connaissez pas. Il est adorable. Ma cam, elle sature. Ça arrive. De toute façon, je rentre l'antenne. Mais merci de la remarque. Hein. Merci, Dragon Sky. Mais voilà, je vous dis à tout à l'heure. À partir de 14h, je reviens sur je sais pas quel jeu. Je vais soulager ma vessie et je vais aller manger. Manger un truc rapido parce que je peux pas faire un plat qui dure longtemps. Bref, bisous, merci les anonymes qui regardent, bisous plein, prenez soin de vous. Ça sera mis sur YouTube bientôt, vous inquiétez pas, vous connaissez ma cuisine, mes habitudes. Et voilà, prenez soin de vous, bisous bisous. Et voilà, pour les directs, à tout à l'heure, 14h. Bon app, ciao, merci pour tous les copains. On va chez Beepoland. Beepoland, Beepoland, Beepleplepleple. Qui dit quoi? Oh merci. Oula, ça saccade à mort. Oh, merci. Ça saccade à mort, merde, c'est buggé. Oh merde, mon truc il est buggé. Bonjour Beepoland. Oh, j'arrive même plus à faire mon... C'est saccadé à mort, c'est un cauchemar. Je sais pas pourquoi c'est cassé le truc. C'est complètement cassé. Attendez, je vais arrêter mon OBS d'abord. Je vais peut-être faire les choses dans le bon ordre. Et je vais aller aux toilettes. Ma vessie m'a fait bobo. Bobo, la vessie, bobo. Oh c'est, ah non, j'ai... Attends. Ah si, je suis en direct depuis 4 heures déjà. Oui, c'est vrai que j'ai coupé en deux, j'ai fait deux jeux. Oh là, je vois pas le temps passer. Oh. Bah alors, il arrête la diffusion, ce fou. Ah, vous de Dieu.